Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette dernière conférence du cycle de conférences du Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel, qui est la 10e conférence de l'année. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce cycle de conférences est en fait organisé dans le cadre du nouveau Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel, qui fait interagir les trois facultés de sciences humaines et sociales de l'Université de Neuchâtel, en sciences économiques, en droit et en sciences humaines et sociales, et qui a pour but de réfléchir au processus de développement, d'émergence et de diffusion des innovations dans notre société, de leurs conséquences et de leurs causes aussi, sur le changement plus général de nos économies et de nos sociétés. Ce cycle de conférences est un événement particulier de ce cursus. Il a pour but de créer le débat. Alors le débat à deux niveaux, un débat tout d'abord interdisciplinaire, un débat entre sciences économiques, technologie, sciences sociales, sciences humaines et droit, et aussi un dialogue entre sciences et sociétés. Donc l'objectif de ce cycle de conférences est de chaque fois choisir un enjeu technologique ou social d'innovation émergent aujourd'hui et de discuter cette problématique ensemble, qui sont souvent des problématiques émergentes et qu'il s'agit aussi de discuter en perspective d'un avenir commun. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adli Takalbataï, qui nous parlera de crypto-monnaie, de bitcoin et de développement régional. Merci. C'est le challenge qu'on lui a imposé, mais aussi une opportunité pour nous. Cette conférence s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'un événement plus large, international, qui est les repas du coin, organisé par l'association Le Cercle du coin, présidé par Adli Takalbataï, et dont de nombreux représentants sont aujourd'hui présents à Neuchâtel, et aussi dans le cadre d'un autre événement crypto-monnaie dans le canton de Neuchâtel, qui est le Komodo Meetup, une autre crypto-monnaie, un peu moins connue que celle du Bitcoin. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'était le challenge, c'était de faire dialoguer les spécialistes de la crypto-monnaie, du Bitcoin et des blockchains selon... Il y en a plein dans la salle, mais il y en a aussi d'autres, comme je peux le voir, par rapport aux enjeux de l'économie réelle, et on a ajouté l'économie réelle des régions, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, bien qu'il semble avéré que les bitcoins, les crypto-monnaies, les blockchains et tout ce vocabulaire soient aujourd'hui plus qu'un effet de mode, soit quelque chose de sous-jacent, beaucoup plus fondamental, et qui déterminera certainement notre avenir plus tard. Alors cet avenir est largement ouvert. Alors, il existe aujourd'hui une certitude, c'est que le Bitcoin a une valeur principalement monétaire. Est-ce qu'il en aura demain ailleurs que dans le cercle de la monnaie? Est-ce qu'il en aura pour les régions, pour les transactions, pour les entreprises, pour les commerces locaux, pour le financement de différentes activités d'innovation, etc., etc. C'est un peu la discussion qu'on vous propose aujourd'hui. Nous avons aussi, pour cette dernière conférence de l'année, le plaisir d'avoir le soutien à cette dernière conférence du canton de Neuchâtel. Et je salue Jean-Nathan Elkanak-Karakash, conseiller d'État et chef du département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel. Je garde mes notes pour ne pas me tromper dans le titre direct, qui nous fera une brève introduction tout d'abord. Voilà, donc je pense que, afin de respecter le timing, je vais tout de suite lui céder la parole en le remerciant de son soutien. Pendant qu'il se déplace, je profite aussi de remercier les différents soutiens pour cette conférence en particulier. Alors je souligne le soutien que nous avons eu tout durant l'année de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie qui a relayé nos conférences et qui les a promues. Je remercie aussi le canton de Neuchâtel et Microcity Pôle Innovation qui ont soutenu l'événement du repas du coin et dans le cadre aussi de laquelle cette conférence s'inscrit. Crypto Union, BT.com et Adenode. Voilà, et je remercie aussi bien naturellement l'Université de Neuchâtel qui a donné aussi son soutien et qui offrira l'apéritif qui sera offert à la fin de cette conférence. Sans plus tarder, je remercie Jean-Nathan Karakash et lui cède la parole avec le micro.
Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager cet après-midi avec vous. J'aimerais, pour commencer, remercier les organisateurs, ceux qui nous permettent d'être réunis ici. Donc, Komodo Meetup, le Cercle du Coin, l'Université de Neuchâtel, et puis les acteurs régionaux du domaine de la blockchain, pour tout ce qui s'est organisé aujourd'hui ici et en parallèle ailleurs dans le canton. Vous avez réussi à susciter un intérêt marqué par le thème que vous avez choisi d'aborder en cet après-midi ensoleillé, après avoir partagé pour beaucoup d'entre vous un moment agréable sur un bateau. Franchement, chapeau, hein. Il faut le faire. Généralement, les vendredis après-midi de beau temps, comme ça, on fait plutôt le mouvement inverse. On sort des auditoires pour aller au bord du lac et pour boire l'apéritif. Donc, la preuve que le thème passionne, et à juste titre, il passionne parce que, évidemment, on est face à une technologie ou un ensemble de technologies qui vont permettre des avancées majeures, non seulement dans l'organisation de notre économie et de nos chaînes de valeur, mais aussi de la société plus généralement. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisage, peut-être aussi du fonctionnement des institutions politiques, qui sait. Donc on est évidemment intéressé à réfléchir ensemble, à en apprendre davantage et puis à échanger. Voilà, vous le savez, moi je suis ministre ici en charge de l'économie dans ce canton de Neuchâtel. Alors, comme on a la chance d'accueillir non seulement de nombreux Neuchâtelois, mais aussi beaucoup d'amis venus d'ailleurs, je veux profiter de dire quelques mots sur ce canton. C'est un job que je fais régulièrement comme ministre de l'économie. Donc Neuchâtel, qu'est-ce qui nous différencie du reste du monde? En quoi est-ce qu'on est un peu particulier ici? Alors Neuchâtel, c'est vrai que historiquement, c'est un canton industriel, exportateur, producteur de richesses et d'innovation, et qui a la caractéristique d'être ouvert au monde et aux idées nouvelles. Et ça, c'est un peu les marqueurs de l'identité neuchâteloise. Quand je dis qu'on est industriel, c'est vrai qu'en Europe, on est une des seules régions qui a vu son industrie se développer sur les 30-40 dernières années. Donc on a aujourd'hui plus de jobs industriels qu'il y a deux générations, ce qui est quelque chose de très particulier dans un continent qui a plutôt eu tendance à perdre son industrie. Donc on a cette chance ici d'avoir gardé un savoir-faire qui nous permet de créer des richesses réelles. Ces richesses, on les exporte sur la planète entière. On a un canton qui exporte pour plus de 100 000 francs, euros, par habitant et par année. C'est phénoménal. C'est lié évidemment à l'horlogerie, mais aussi à l'émergence d'autres secteurs. Aujourd'hui, le premier secteur d'exportation en valeur du canton de Châtel, c'est le pharmaceutique. Comme quoi, les clichés, puisque, bon, peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas de Suisse, vous ne le savez pas, mais Neuchâtel, c'est vraiment le cœur de l'horlogerie suisse. On a le quart de tous les emplois de l'horlogerie suisse ici. Et donc, il n'y a pas une montre mécanique qui sort de Suisse sans avoir un peu de Neuchâtel à l'intérieur. Donc ça, c'est des éléments marquants de notre identité en Suisse. On produit des richesses, je le disais. Donc voilà, ça contribue à la prospérité du pays, mais aussi des innovations. C'est un canton qui est très innovant. Évidemment, pour faire de l'industrie dans un pays cher comme la Suisse, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de faire la course en tête, donc de produire des choses que les autres ne font pas encore ou alors qu'ils font autrement. Ce qui amène assez naturellement Neuchâtel à jouer un rôle de leader. On est par exemple le canton en Suisse dans lequel on dépose le plus de brevets par habitant. C'est évidemment une grande fierté pour nous, mais ça traduit une réalité, un besoin. Une autre caractéristique de ce positionnement, l'innovation principalement dans les technologies effectivement liées à l'industrie de haute précision, c'est qu'on est embarqué quelque part dans toutes les grandes aventures technologiques de pointe. Quand il faut aller explorer la planète Mars et puis ramener des images de Mars, ben on a des caméras neuchâteloises on board. Quand il faut faire voler un avion solaire, on a des panneaux solaires neuchâtelois qui... haute performance qui sont là, et puis quand il faut soigner quelqu'un pour prolonger sa vie en lui créant un implant intelligent, eh bien on aura aussi de la technologie neuchâteloise à l'intérieur. On va bientôt développer ici des muscles artificiels, ça devrait être les premiers muscles artificiels au monde prochainement ici dans le canton. Donc voilà, ce positionnement-là, on l'assume pleinement, mais j'aime bien rajouter aussi que Neuchâtel a cette caractéristique d'être ouvert au monde et aux idées nouvelles, pas seulement en matière technologique. Et c'est vrai qu'on a une histoire d'ouverture qui ne date pas d'hier. On est par exemple un canton qui a octroyé le droit de vote aux étrangers il y a plus de 150 ans.
C'est quelque chose qui est rare, très rare dans le monde, et alors unique en Suisse, à n'en pas douter, mais qu'on cultive avec fierté. Et puis, ouvert aux idées nouvelles, au-delà de la technologie, on a eu des grands scientifiques, des grands penseurs qui ont influencé la construction de l'Europe, des gens qui ont influencé les arts, l'architecture, et donc on est une terre dans laquelle on aime finalement bien les gens qui pensent à côté, les gens qui amènent des idées nouvelles et puis qui nous font voir le monde autrement. Je crois que c'est une caractéristique qu'on doit cultiver. C'est tout un écosystème qui en fait est en perpétuelle remise en question et puis où on essaye d'avancer. Et du coup, ça nous intéresse forcément. Du coup, ça nous intéresse beaucoup tout ce qui se passe autour de la blockchain, des crypto-monnaies. C'est évidemment passionnant parce qu'on se rend bien compte que ça va bouleverser, comme je le disais, les chaînes de valeur, que c'est une innovation de rupture, que c'est aussi un mouvement de décentralisation du pouvoir dans un monde où le pouvoir est vraiment trop centralisé. Aujourd'hui, quand on voit ce que font les gens qui sont au centre du pouvoir à travers la planète, on se réjouit d'une plus grande décentralisation du pouvoir. Ça nous rassurerait toutes et tous. Et de ce point de vue-là, on peut espérer que les technologies amenées nous aident à décentraliser ce pouvoir. C'est d'ailleurs assez suisse comme attitude d'un pays fédéral qui est construit plutôt dans une logique bottom-up et où on laisse les gens d'abord s'organiser pour résoudre leurs problèmes avant d'éventuellement envisager d'intervenir à un autre niveau. Alors nous, on est content de pouvoir envisager une décentralisation du pouvoir, non seulement politique, je l'évoquais en filigrane, mais aussi économique, par rapport aux GAFA qui s'approprient nos données et donc qui les valorisent aussi financièrement. Ça nous intéresse évidemment de pouvoir nous protéger comme individus et de pouvoir aussi jouer notre rôle dans la construction de ces nouvelles chaînes de valeur qui se mettent en place. Donc c'est un enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu pour les citoyens. Et on a envie de faire partie de ce mouvement aussi pour contribuer à faire en sorte que ces technologies soient mises au service de l'humanité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire à quoi ça sert. On va le découvrir bien davantage que je ne pourrais le faire. Mais vous dire que nous, de notre côté, on est vraiment très motivés à pouvoir interagir, en apprendre davantage et aussi nous mettre à jour, c'est-à-dire d'organiser nos conditions cadres et l'organisation du système public de manière à pouvoir être un acteur de ces évolutions qu'on souhaite pouvoir accompagner plutôt que de rester à les observer, à les subir, comme c'est parfois malheureusement le cas. Ce n'est pas du tout l'attitude qui est la nôtre aujourd'hui. Donc merci beaucoup de nous offrir cette conférence. Et puis on est dans un canton, je vous disais, très horloger. On sait à quel point le temps est précieux, donc je ne vais pas abuser davantage du vôtre. Alors maintenant, sans plus attendre, je vais céder la parole à Adi Takalbataï, mais sans faire quand même une brève présentation de notre orateur aujourd'hui, qui est vraiment une chance pour nous, une opportunité du fait que le repas du coin avait lieu aujourd'hui à Neuchâtel et de sa présence ici. Pourquoi une telle opportunité, pourquoi une telle chance de l'avoir aujourd'hui? Alors Adli, que je vais tutoyer, a coécrit ce livre qui s'appelle Bitcoin, la monnaie ancestrale, et que je ne peux que conseiller à toute personne francophone, je dirais de background sciences humaines et sociales, de lire, parce que Adli a fait avec Jacques Favier, aussi secrétaire du Cercle du Coin, a fait un travail de fond, et je ne dirais pas de vulgarisation, mais de mise en compréhension des enjeux sous-jacents économiques, sociaux et institutionnels, donc les trois piliers de notre Master Innovation, sur les questions qui se posent aujourd'hui, l'actualité, et aussi les questions futures qui s'y posent. Donc je ne peux que conseiller ce livre à toute personne qui serait intéressée à en savoir un peu plus sur les crypto-monnaies, en espérant qu'il arrivera à le résumer, bien sûr, en une trentaine de minutes, voire un peu plus. Je rappelle un peu le concept de cette conférence. L'idée, c'est d'avoir la moitié de la conférence qui est consacrée à une présentation qu'on appelle « input »,
et d'avoir encore une 45 minutes environ, donc pleinement le temps pour les débats. Donc l'idée, et le challenge aussi qu'on a donné à Adli, c'est de poser les bases d'une discussion plus que de nous faire l'explication des choses. Donc je te remercie encore. Merci à toi. Et je te cède la parole. Merci à l'université. Alors, pour procéder de la sorte, justement, pour faire en sorte qu'on puisse discuter après, alors moi, je vais faire une petite introduction de ce qu'est Bitcoin, tout ce qui a suivi Bitcoin, c'est-à-dire tous les protocoles à blockchain, tout ce nouvel écosystème, le décrire un petit peu et le débroussailler un petit peu, pour après parler de quelques ouvertures, quelques cas d'usage, pour justement se mener un chemin vers la discussion concernant les opportunités, concernant tout cet écosystème. Donc d'abord, Bitcoin, c'est avant tout un objet multiple. C'est-à-dire que pourquoi Bitcoin est si insaisissable, pourquoi Bitcoin est si difficile à caractériser et pourquoi il peut déranger, parce qu'il n'est pas simple. C'est un objet complexe et multiple. Alors on va voir pourquoi. Tout d'abord, l'histoire qui mène à Bitcoin, elle est très très longue. C'est un produit de beaucoup de recherches. Alors, dès les années, là je commence en 97, pour justement ancrer entre guillemets ce parcours historique dans la technique, mais avant cela, dès les années 80, il y a des gens qui essaient de faire des monnaies numériques. Ça c'est quelque chose qui travaille l'esprit de beaucoup d'ingénieurs assez rapidement. Et donc pour Bitcoin, il faut bien penser, ça je ne vais pas forcément le décrire très précisément, mais il faut bien penser que c'est un cheminement de pensée, un cheminement de technologies qui vont mener à Bitcoin. Bitcoin n'est pas une technologie en soi, Bitcoin est l'assemblage de technologies. Et finalement, ce qu'on voit là, Hashcash, c'est une partie de la technologie. Dans Bimoni, Waidai, il va y avoir aussi une petite brique technologique ajoutée. Et de fil en aiguille, avec le bon assemblage, on va arriver à Bitcoin. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on a pris plus de 20 ans, voire plus de 30 ans, pour réussir à arriver à Bitcoin. Ce qui en fait un objet non mature, parce qu'il n'a que 10 ans, mais mature en termes de réflexion. Toute cette réflexion monétaire autour du monnaie numérique, elle a des fondations assez vieilles. Donc en 2008, Bitcoin apparaît avec Satoshi Nakamoto, qui écrit un papier qui s'appelle « Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system » et qui est littéralement la description de ce qu'est Bitcoin, qui sera implémenté plus tard, en janvier de 2009. Donc d'où ça vient? Parce qu'on a dit que le passé de Bitcoin, il est fort, il a au moins 20 à 30 ans. Donc d'où ça vient? Eh bien ça vient de la société du cyberespace. Ça veut dire que dès que dans les années 90, on commence à avoir Internet qui se généralise un peu plus, il y a des penseurs du cyberespace qui apparaissent, et on va véritablement réfléchir à sur quelle fondation politique, sur quelle fondation idéologique doit se fonder ce nouvel espace, quel cyberespace. Et on va se dire que finalement, on a un nouveau modèle qui semble marcher de manière décentralisée. On a un nouveau modèle où finalement, il y a un renversement des valeurs, où la vie privée devient primordiale, où la liberté devient primordiale. Et pour la première fois, elle s'exerce vraiment. C'est-à-dire que je veux créer un site web, je peux. Je veux divulguer une idée, je peux. Je veux la communiquer, je peux. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un pour exister sur Internet. Et ça, c'est une des premières fois qu'on a ce renversement politique-là. Donc Bitcoin vient bien de ces racines-là qui mettent en avant la liberté et la vie privée, notamment théorisée par le courant cypherpunk, qui va vraiment mettre en avant l'importance de la vie privée à l'ère d'Internet et l'importance de réussir à s'émanciper finalement des pouvoirs hégéliens et d'entamer une sorte de nouvelle révolution, une révolution dans le sens un 180, un renversement par rapport aux valeurs habituelles. Et donc on va avoir, Bitcoin va s'inscrire dans totalement ce qui peut s'interpréter comme une réaction au système actuel, notamment aux crises systémiques, le fait que depuis pas mal de temps, on a des monnaies qui ne reposent entre guillemets sur rien si ce n'est les États qui les garantissent, mais on a accès à la monnaie centrale qu'en très faible quantité. Donc là, il y a vraiment une réaction qui dit on va de nouveau faire une monnaie qui est entière, qui est pleine en quelque sorte, on va avoir une monnaie comme l'or dont il n'y aura pas de représentation multipliée comme les réserves fractionnaires. Enfin, on va se dire, on n'a plus besoin d'avoir d'État ou de banque pour réussir à échanger. On a fait plus ou moins la même chose avec la Poste. Hein. La Poste était très souvent des services plus ou moins publics qui après sont devenus des services privés. Puis après, avec un mail ou avec des services de communication actuels, finalement, tout le monde peut communiquer sans avoir besoin d'un État.
Enfin, il y a aussi tout l'intérêt d'avoir un système monétaire qui est uniquement numérique, c'est qu'il est accessible à tous très facilement. Là où je suis dépendant de l'endroit où je suis pour accéder à une monnaie, c'est-à-dire que si je suis né en Europe, il y a de grandes chances que j'utilise l'euro et que j'ai pas le choix d'utiliser une autre monnaie, et bien là, avec un système qui est totalement numérique, où que je sois dans le monde, je peux me rattacher à ce système-là, je peux me rattacher à cette communauté, je peux me rattacher à ce réseau. Et ça, c'est une force incroyable. C'est-à-dire qu'on superpose deux mondes, qui sont le monde physique dans lequel on vit, qui est marqué par des vérités territoriales, et le monde du cyberespace, qui lui, va finalement se superposer à ce monde-là, mais qui ne connaît aucune limite. Et Bitcoin s'inscrit bien dans le cyberespace. C'est-à-dire que vos Bitcoins, vous les avez jamais vraiment sur vous. Ils sont dans un espace qu'on ne peut pas toucher. Ils sont dans un espace qu'on pourrait définir comme la Lune. Ils ne sont pas sur Terre, parce qu'ils sont partout en même temps. Donc finalement, on est face à un nouvel objet, et ce cyberespace va faire naître finalement Bitcoin. Et enfin, il y a toute la logique de libéralisation des intermédiaires, dans le sens où il y a un vrai désir de ne plus devoir reposer sur des institutions tierces ou sur des tiers, mais d'essayer de pouvoir faire les choses en pair à pair. Et ce n'est pas que pour des soucis de corruption ou de censure, mais aussi de sécurisation. Ça veut dire que plus un réseau va être en pair à pair, plus il va avoir une sûreté forte. Et donc voilà, Bitcoin arrive dans cette société-là avec plein de nouveaux codes, plein de nouveaux penseurs qui sont beaucoup plus horizontaux et beaucoup plus orientés sur la vie privée et sur la décentralisation. Et donc c'est pas un hasard si toutes ces caractéristiques vont se retrouver petit à petit dans toute cette économie. Donc Bitcoin, je disais, c'est un objet multiple. Alors là, c'est extrêmement important. Je dirais que c'est presque le moment le plus important du début, c'est que Bitcoin est un protocole. Et ça, c'est absolument capital de le comprendre. Pourquoi un protocole? Il faut absolument se focaliser sur la force d'un protocole. Parce que les protocoles, c'est ce qui nous permet de nous envoyer des mails, quel que soit le fournisseur de mails par lequel on passe. Les protocoles, c'est ce qui nous permet de surfer sur n'importe quel site web, quel que soit le navigateur, quel que soit l'objet avec lequel on surfe. Et ça, c'est extrêmement important. Les protocoles, finalement, c'est des systèmes de règles destinés aux ordinateurs pour normaliser leurs échanges d'informations. Et c'est absolument capital. Ça veut dire que c'est avec les protocoles qu'on va réussir à avoir des modèles interopérables sur lesquels on va tous pouvoir s'appuyer pour construire des choses. Notre alphabet est un protocole. L'alphabet latin tel qu'on le connaît est un protocole. Et donc là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un protocole monétaire libre et utilisable par tous et qui va fonctionner grâce à l'implication de tous. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est-à-dire qu'on a fait plein de protocoles différents, mais on n'avait pas de protocole monétaire qui nous appartient à tous. Et donc, pour la première fois, on y arrive. Et donc, on peut penser que le protocole n'est qu'une première étape. C'est-à-dire qu'on a un protocole monétaire, mais pour l'instant, il est très brut. C'est-à-dire que Bitcoin a un aspect assez brut. Il n'y a pas énormément, pour l'instant, de services. Il n'y a pas énormément d'expérience utilisateur appréciable pour n'importe qui. Mais en tout cas, on a un protocole sur lequel on va pouvoir construire des choses, tout comme on construit une langue ou on construit une écriture avec un alphabet. Donc, et enfin, un protocole, d'autres facteurs importants, ça veut dire que ça va être une implémentation libre. L'alphabet, tout le monde le connaît, il n'appartient à personne. Bitcoin, c'est pareil, son code, tout le monde le connaît, tout le monde peut y accéder, et il n'appartient à personne. Et finalement, ce qui va le faire évoluer, c'est son consensus. Et le langage, c'est exactement pareil. Le langage, ce qui fait évoluer le langage, c'est pas l'académie. C'est le consensus. L'académie, elle est prescriptive, mais en fait, elle ne fonctionne pas en tant qu'institution prescriptive. Elle fonctionne en tant qu'institution descriptive. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle est obligée d'admettre que ce terme rentre dans le dictionnaire, même s'il ne lui plaisait pas à l'origine. Parce que le consensus l'a adopté. Mais pour Bitcoin, c'est pareil, mais en termes monétaires. Et enfin, qui dit protocole dans le cadre de Bitcoin dit réseau, et qui dit réseau dit communauté et matériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire finalement Bitcoin et tous ces protocoles-là du réseau qui les entoure et de la communauté de personnes qui les entoure. C'est la communauté de personnes qui va faire la valeur du réseau, c'est la communauté de personnes qui va l'enrichir et c'est cette communauté qui va en faire sa force. Et enfin, Bitcoin, c'est aussi une unité. Donc là, c'est plus simple, hein, c'est juste une unité de compte, donc des jetons qui vont être infalsifiables, transférables, conservables, limités, ça c'est une des caractéristiques de Bitcoin, qui vont avoir une valeur parce qu'on va leur conférer de la confiance. Et enfin, ils sont inscrits sur un livre de compte, la blockchain. Donc là, vous voyez que la blockchain n'est qu'un élément. Mais on va y revenir plus tard. Donc finalement, Bitcoin revient en termes économiques à des principes assez anciens, avec un modèle
un modèle de matière première. C'est-à-dire qu'au début, l'or, finalement, on se penchait dans un fleuve, plus ou moins, et on trouvait de l'or. Maintenant, il faut forer à 4 km. Bitcoin, c'est le même modèle. Au départ, ça va être très facile à trouver, puis petit à petit, ça va être plus dur à trouver. Et on a une quantité limitée. Mais ça, c'est des facteurs qui sont propres au protocole Bitcoin. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des protocoles, parce qu'on en connaît la fin, finalement, et on en connaît la structure, et il va pouvoir y avoir d'autres protocoles semblables à Bitcoin qui vont adopter d'autres politiques monétaires. On a des jetons, ça c'est une autre particularité intéressante, qui sont épigraphiques, ça veut dire qu'on peut écrire dessus. C'est comme si on pouvait finalement laisser sa trace sur chaque pièce qu'on touche. Donc Bitcoin n'est pas vraiment fongible, on peut différencier potentiellement deux Bitcoin parce qu'ils vont avoir une histoire différente. Parce qu'on va pouvoir suivre ce qui s'est passé sur le livre de compte pour tel ou tel Bitcoin. Et donc on a finalement une transparence totale et une possibilité d'écrire l'histoire de la monnaie. Pour la première fois, on a une monnaie sur laquelle, enfin pas pour la première fois, parce qu'il y a eu des monnaies sur lesquelles on a pu écrire et on a pu avoir des traces, notamment avec les chèques avec Ando, ce genre de choses, où Bitcoin marche un peu comme un chèque avec Ando qu'on se transmet à l'infini. Et là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une monnaie qui va avoir une écriture qui va être consultable par tous, qui va être vérifiable par tous, et dont on va pouvoir lire l'histoire pour s'assurer de la fiabilité, finalement, de ce courant historique et de tous ces transferts. Donc on a également des points, tous ces points, ça pose problème concernant la légalité de Bitcoin. Enfin, après, là, pour le coup, je trouve qu'en Suisse, c'est quand même plus avancé qu'en France. En France, on a énormément de difficultés à le classer parce qu'il est multi-usage, comme je disais, il est protéiforme. Donc on est toujours balancé entre la monnaie, ses représentations écrites, donc ça pourrait représenter un titre, ça pourrait représenter autre chose, ou bien en tant qu'actif spéculatif, etc. Donc on a toujours ce problème de Bitcoin qui est protéiforme. Et peut-être faudrait le considérer comme tel, tout simplement. Et enfin, en termes économiques, il est extrêmement pratique parce qu'il est mondial, instantané, plutôt bon marché. Ça peut être discuté actuellement parce qu'il y a un engorgement du protocole qui commence à être résolu et qui fait que les frais de transaction sont montés assez haut. Et il est sûr. Ça, par contre, on a un réseau qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 10 ans. Ce qui est mieux que n'importe quelle instance d'un GAFA. Donc on a quand même quelque chose de très très solide, qui est juste entretenu par des agents autonomes, finalement. Et ça c'est une énorme force. Donc comment ça marche très rapidement? C'est un subtil équilibre de plusieurs technos. Il y a la cryptographie asymétrique, comme je vous disais. Bitcoin, c'est pas une technologie, c'est plusieurs technologies qui vont être agencées avec un tel équilibre que ça va bien fonctionner et ça va fonctionner durablement. Et donc on a la cryptographie asymétrique, des fonctions de hachage et du pair à pair. Donc finalement on a un réseau qui est sûr, ce que je vous disais, grâce aux clés et aux signatures donc, qui sont garanties plus ou moins par les recherches en cryptographie. On a un réseau qui est résistant et incensurable. Parce qu'il est décentralisé et parce qu'il a aussi des règles dans son consensus qui permettent de s'assurer qu'on ne va pas pouvoir payer par avance tel ou tel intervenant pour aller dans tel ou tel sens. Ça, c'est très fort d'avoir un réseau incensurable également. C'est pour ça que Julian Assange ou d'autres s'en sont servis, parce que quand PayPal vous coupe les vivres, quand le système bancaire vous tourne le dos, vous pouvez toujours utiliser Bitcoin. C'est également autonome grâce au minage, ça veut dire qu'il y a assez d'intérêt pour que le réseau s'entretienne de lui-même. Ça, c'est extrêmement important, parce que pendant très longtemps, les deux dernières années, on a essayé de totalement séparer la logique de token et de protocole à blockchain. On parlait de blockchain comme s'il n'y avait pas besoin de token, alors que c'est essentiel pour qu'il y ait un intérêt suffisant pour que des gens sécurisent le réseau et que celui-ci soit autonome. Si le réseau n'est plus autonome, il perd quasiment tous ses avantages d'incensurabilité, etc. Donc on perd énormément de gains à ne pas avoir de token et à ne pas avoir un token valorisé, un jeton valorisé. Et donc enfin, il est fiable, transparent, immuable, grâce à sa blockchain qui est distribuée parmi tous les acteurs du réseau et qui garde en trace tout ce qui se passe. Donc ça, c'est juste une petite photo pour vous illustrer, pour ne pas oublier que derrière le réseau, parce qu'on est vraiment dans une époque où on nous parle de cloud à longueur de journée, on a tendance à oublier la matérialité de tout ça. Donc on a bien du matériel derrière, on a des immenses data centers, notamment beaucoup en Chine, qui vont miner du Bitcoin, qui vont sécuriser le réseau. Donc il ne faut pas oublier que ça existe, il y a des gens derrière, on n'est pas dans une entité sortie de nulle part qui ferait tourner ce truc-là. On a plein de gens tout autour du monde qui se mobilisent.
Je crois que là, dernièrement, on est autour de 8000 nœuds Bitcoin, entre 6000 et 8000 nœuds. Donc on a au moins 6 ou 8000 points d'entrée de Bitcoin à travers le monde, des gens qui font tourner un client Bitcoin pour entretenir le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ça, je vais en parler rapidement parce qu'on va revenir après plus particulièrement pour la région. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Avec Bitcoin, on peut ouvrir un compte, on peut avoir voilà, des usages monétaires et extra-monétaires. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui le rend protéiforme. Donc, on va pouvoir ouvrir un compte avec une connexion Internet, on va pouvoir ouvrir des comptes communs très simplement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais essayez d'ouvrir un compte en France dans une banque avec un Japonais, un Péruvien et un Éthiopien. Bonne chance. En termes de due diligence, vous allez avoir ça de papier. Alors qu'avec Bitcoin, en quelques clics, vous pouvez ouvrir un compte à plusieurs avec un quorum spécifique, admettons 2 personnes sur 4, etc. C'est par exemple ce qu'on utilise avec l'association depuis maintenant 2 ans et demi. Ça marche très bien. Donc, c'est extrêmement facile et on trouve un consensus entre nous. Donc ça, c'est peut-être le début de la relocalisation, de la reterritorialisation des usages de Bitcoin. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'usage, on va pouvoir définir un périmètre entre plusieurs paires et dire, nous, on va s'entendre sur ces règles-là. Au sein du cercle, c'est ce qu'on fait. On a un portefeuille à trois personnes, le président, le secrétaire et le trésorier. Et il va falloir qu'il y ait 2 signatures sur 3 pour déverrouiller les fonds. Et là, finalement, on relocalise ce qu'est Bitcoin au sein de notre association. Après, il y a plein d'autres choses. Alors, on peut programmer la monnaie. La première programmation de la monnaie, c'est finalement la transaction. Le fait de faire une transaction, c'est déjà programmer la monnaie. Ça veut dire que vous transmettez un ordre au réseau qui va l'exécuter finalement et exécuter votre transaction de la bonne manière. Vous avez juste envoyé du code au réseau et l'ensemble du réseau va l'exécuter. Mais après, on va pouvoir faire des choses bien plus complexes. On va pouvoir faire du crowdfunding. Alors ça, c'est juste pour donner un exemple, mais on peut faire du crowdfunding de manière totalement décentralisée, avec justement en donnant des ordres au réseau. Qu'est-ce que c'est que du crowdfunding ? C'est si ce palier est atteint, libère les fonds. Le but du crowdfunding, c'est que les gens ne se barrent pas avec la caisse pour aller faire des fêtes. Mais on peut très bien dire dans Bitcoin, en plus de la libération, on va bloquer les fonds mois par mois, et comme ça, on pourra les distribuer que mois par mois par rapport aux besoins réels des gens qui veulent effectuer ce crowdfunding. Mais ça, on peut le faire aussi. Et on peut dire, en plus de mois par mois, ils vont obtenir ça dans un portefeuille où les 6 personnes du projet vont devoir être à l'unanimité pour pouvoir dépenser les fonds. Et là, tout cela, on pourra le faire sans aucun tiers. On pourra programmer toutes ces opérations par avance. Et si les conditions ne sont pas réunies, soit l'argent est rendu aux personnes, soit il est bloqué, ce qui serait un peu absurde, donc dans ce cas-là, il serait plutôt rendu aux personnes. Mais en tout cas, on va pouvoir effectuer comme ça, de fil en aiguille, avec des conditions assez simples, des contrats bien plus complexes. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher énormément de complexité dans les contrats. Vous voyez que là, les conditions sont simples. Si cette somme est dépassée, au bout de combien de temps on peut débloquer, et combien sont les personnes qui peuvent, et comment doivent-elles être pour libérer les fonds. Après, il y a les preuves d'existence. Ça, c'est intéressant, on en reparlera, notamment au niveau des brevets. Si Neuchâtel est une région de brevets, pour le coup, avec Bitcoin et avec les autres blockchains, on va dire, totalement publics, on a vraiment un excellent outil pour tamponner. Pour la première fois, on a un tampon fiable et viable et universel qui n'est pas le tampon d'un tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux, en France en tout cas, déposer un brevet, je vais devoir aller à l'INPI. Alors l'INPI, ils sont peut-être très bien pour me conseiller dans la manière de faire mon brevet, mais cependant, leur tampon, désormais, n'a pas plus de validité que le tampon que j'émets à travers ce réseau et qui va être reconnu par 8000 personnes tout autour du monde. Et ça c'est une force incroyable, parce que dans Bitcoin, vous pouvez inscrire des empreintes uniques d'un fichier et les attacher à une transaction. Et avec ça, vous pouvez prouver que vous êtes le premier à avoir écrit ce papier ou avoir fait cette machine, en tout cas, si vous l'avez pris en photo ou quelque chose comme ça, enfin, comme un brevet, en tout cas. Mais vous allez pouvoir déposer un brevet tout seul. Alors, peut-être que l'aspect technique du brevet et juridique, lui, aura encore besoin de conseiller. Mais en tout cas, le tampon, on en a plus besoin. Et c'est en ce sens-là que je parlais de libéralisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une disparition des tiers parce qu'on a quand même besoin de régler des conflits entre humains, on aura toujours des conflits, mais en tout cas, pour la première fois, le tampon s'universalise et devient propriétaire de tous. Bon, il y a voté, ça on en reviendra, les microtransactions, des assets personnalisés, mais on reviendra à tout ça plus tard quand on sera sur la région. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle cosmologie, c'est-à-dire qu'on a des réseaux horizontaux et autonomes au consensus décentralisé.
et je rajouterais même dont le registre est distribué. C'est-à-dire que le consensus, pour l'instant, il n'est pas distribué, c'est pas tous les acteurs du réseau qui participent au consensus directement. Hélas, c'est uniquement les mineurs, ceux qui vont donner de la puissance de calcul. Mais en revanche, le registre, lui, la blockchain, elle est distribuée parmi tous ceux qui le souhaitent. Donc tout le monde peut avoir accédé, par contre, à ce qui se passe. Tout le monde peut lire ce qui se passe dans les archives de Bitcoin. Mais tout le monde ne peut pas garantir les écritures. Peut-être on y arrivera un jour d'avoir un consensus qui est totalement horizontal. Pour l'instant, il est décentralisé. Donc c'est quelques acteurs, du moins ceux qui donnent de la puissance, qui peuvent avoir ce privilège, entre guillemets, de sécuriser et d'inscrire les nouvelles données dans la chaîne. Mais par contre, c'est vrai que les réseaux, eux, sont horizontaux parce qu'ils sont vraiment sur une logique où chacun peut y accéder. C'est-à-dire que pour accéder au consensus, j'ai besoin de donner la puissance de calcul, mais tout le monde peut donner la puissance de calcul, sans distinction. Et autonome, parce qu'il y a besoin d'une intervention de personne pour qu'il continue de vivre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas besoin, d'une motivation supplémentaire au réseau lui-même. C'est-à-dire que les mineurs vont miner parce qu'ils vont gagner de l'argent en minant. Et de ce fait, ils vont contribuer à la sécurité du réseau et auront aucun intérêt à détruire le réseau qui est leur gagne-pain. Donc on a vraiment un équilibre à ce niveau-là. Et enfin, donc on avait Bitcoin et puis arrivé plein d'autres protocoles, on avait tout un écosystème et je voulais rapidement parler des blockchains parce qu'on a beaucoup parlé de la technologie blockchain, de la blockchain, etc. Et je voulais parler de quelques points à ce niveau-là. Et notamment montrer que c'est un vrai fourre-tout. Quand on dit la blockchain, on parle de tout et n'importe quoi. Ça veut dire que la blockchain, c'est juste un registre, un livre de compte entre tous les pairs qui va être distribué parmi ces réseaux-là. Mais il peut y avoir plein de variantes. Alors il y a des points communs, c'est vrai. On peut trouver des points communs. Mais ce n'est qu'un élément, finalement, de ces réseaux-là, de ces protocoles-là. C'est juste là où on inscrit les choses. C'est généré, finalement, par le protocole qui, au fur et à mesure du temps, va écrire les nouvelles données concernant le réseau. Donc on a voilà, des points communs. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, on a énormément de variantes. On a des blockchains qui peuvent être ouvertes, fermées. On a même des blockchains sans blocs maintenant. Ça paraît presque un peu ironique d'avoir des blockchains sans blocs, comme IOTA, où c'est les transactions qui sont liées directement entre elles. On a des langages de programmation différents, des libertés différentes laissées aux développeurs et aux personnes qui effectuent des transactions sur le réseau. On a de la transparence ou pas. Là où Bitcoin est totalement transparent, enfin il est pseudonyme, mais en tout cas tout ce qui s'y passe, on peut le constater. Sur Monero ou sur d'autres chaînes, on va avoir des chaînes qui sont totalement opaques. On ne sait ni les montants, ni les personnes qui échangent. Donc ça, c'est un gros changement et ça peut avoir une importance également d'un point de vue monétaire, mais aussi d'un point de vue de l'identité, d'un point de vue d'autres innovations finalement dans ce secteur-là. On a aussi différents langages. On a avec ou sans token, même si personnellement, je pense que sans token, c'est une mauvaise idée. Enfin, ça serait revenir à une base de données classique. Et enfin, on a un environnement qui est capital, c'est-à-dire les incentives, les motivations qui font que ce système est autonome et fonctionne par lui-même. Et n'est pas corruptible, et n'est pas censurable, et est durable. Donc ça, c'est extrêmement important. Généralement, c'est parce que le token prend de la valeur, parce que les gens accordent de la valeur au réseau, ou ont besoin de s'en servir, et donc ils sont prêts à payer ce droit d'usage sur le réseau. Et enfin, il y a la cryptographie, de la cryptographie asymétrique, enfin différentes techno, plus des algorithmes de consensus. Donc dans Bitcoin, c'est le proof of work, c'est le fait de donner la puissance de calcul pour garantir le réseau. Et s'il y a une communauté importante ou non. Parce que la communauté, c'est capital. Et Bitcoin a de grandes chances de rester en dehors de ces aspects technologiques parce qu'il a déjà convaincu une grande communauté et qu'une grande communauté le soutient. Et que depuis Metcalfe, on sait que la valeur d'un réseau est proportionnelle aux utilisateurs au carré. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de difficultés pour que les utilisateurs quittent Bitcoin. Tout comme d'ailleurs des GAFA. Hein. On peut penser que maintenant, avec la traction qu'a Amazon et l'inertie qu'a Amazon, ce sera très dur de piquer à Amazon tous ses clients. Mais pour Bitcoin, c'est pareil finalement. Plus il y aura de gens, plus ce réseau sera fort, plus Bitcoin sera fort, et plus la motivation à rester dans Bitcoin sera forte finalement. Donc vous voyez là qu'on a vraiment un sacré fourre-tout quand on parle de la blockchain ou la technologie blockchain. Il vaut mieux parler des protocoles. Parce que finalement, la blockchain, ça n'existe pas en tant que telle. Elle est forcément spécifiée. Il y a des blockchains qui sont le résultat de consensus, et c'est le consensus qui est capital. C'est finalement par quoi est produit la blockchain, par quelles règles et par qui, de protocoles particuliers
est différent. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des caractéristiques différentes. Que ce soit donc, technique, communautaire ou autre. Mais en tout cas, il faut vraiment ne pas se centrer sur finalement juste ce registre-là, mais se centrer sur tout ce qui est à côté, parce que c'est ça qui le détermine. Le registre, il n'est là que pour inscrire des écritures et finalement graver l'histoire. Donc voilà, c'est quelques protocoles. Bon, il y a Bitcoin, qui a été le premier, comme on l'a vu, qui est amélioré au fur et à mesure par plein d'autres implémentations, notamment en tant que méta-réseau. Il y a Ethereum, qui est le deuxième protocole, un des deuxièmes plus gros importants, qui a été créé par Vitalik Buterin et qui a démocratisé l'usage des smart contracts, plus libre en tout cas, où n'importe qui pouvait créer n'importe quel programme sur Ethereum. Monero, par exemple, qui est anonyme, ou une initiative récente, Tezos, qui n'est pas encore sortie en France, qui essaie de mettre la programmation formelle, le langage formel, au cœur de sa chaîne pour résoudre les problèmes d'Ethereum. Enfin, en tout cas, il y a des milliers d'autres protocoles, et c'est extrêmement foisonnant. C'est une compétition très darwinienne, finalement, où les meilleurs seront théoriquement les plus valorisés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet écosystème-là se finance tout seul. Depuis le début. Alors, les premiers bitcoiners, eux, ont joui du fait d'avoir miné des bitcoins ou d'avoir participé à Bitcoin Taux et d'en obtenir et de s'enrichir énormément. Et donc, de continuer à contribuer à cet écosystème en misant sur d'autres projets, en finançant la recherche et développement, etc., etc. Et là, récemment, enfin, le concept n'est pas très très récent, mais très récemment, on a vu exploser les ICO. La Suisse connaît bien les ICO, pour le coup, surtout Azug. Et on a vu vraiment ce milieu-là exploser. Donc, d'où c'est venu? Alors, c'est venu plus ou moins... Alors, il y a eu, avant NXT, que je cite un peu comme la première, il y a eu, d'autres essais plus petits où les tokens étaient brûlés, ce genre de choses. Mais une des premières ICO, c'était NXT, qui est un peu le prédécesseur de Komodo, tant qu'à faire, autant en parler, qui avait fait une ICO, vous avez levé à peu près 21 bitcoins, devenu 150 000 bitcoins au pic de 2014 de NXT, de valorisation. Donc une explosion en termes de valeur gigantesque. Et donc petit à petit, ce système a été vu comme un système très intéressant pour financer la recherche et développement dans ce milieu-là, parce que énormément de gens se sont enrichis et sont prêts à prendre des risques et ont l'habitude d'être responsables et autonomes dans leurs investissements, sans en plus avoir tous les aspects KYC, etc., qui apparaissent maintenant, enfin le fait de devoir donner ses papiers, etc., etc. Il y avait vraiment un aspect Far West, mais qui a permis ce financement-là de s'autofinancer jusqu'à avoir des valorisations assez conséquentes. On est à plus de 100 milliards pour Bitcoin. Donc, petit à petit, il y a plein de gens qui ont fait des ICO, Initial Coin Offering, et en 2016, ça s'est accentué, et là, au premier trimestre 2018, je crois que depuis le début 2018, on a 9 milliards qui ont été levés de cette manière-là. Donc 9 milliards de fonds qui ont été transférés plus ou moins de pair à pair, il y a quand même des entreprises maintenant dans le jeu, pour financer des projets innovants dans ce secteur, ou pas d'ailleurs, hein, il y a pas mal de pipeaux aussi, mais en tout cas, il y a eu vraiment il y a une respiration économique qui commence, dans le sens où, personnellement, moi je peux en parler en tant que témoin, entre guillemets, j'aurais jamais investi dans une entreprise telle que je le fais, là j'ai tout juste 25 ans, j'aurais jamais investi dans telle ou telle entreprise comme ça. C'est cette fluidité économique qui m'a permis de le faire. C'est parce que finalement, j'avais très peu de contraintes et qu'en plus, j'avais une espérance de gain direct. C'est-à-dire que le crowdfunding, c'est très sympathique, mais c'est un peu ingrat finalement. C'est-à-dire qu'on va faire le crowdfunding, c'est... Alors, les plus pauvres, finalement, vont donner pour avoir un gadget en cadeau, et les plus riches, eux, vont faire un tour de venture capital quelques temps après, et eux vont vraiment avoir des actions. Donc c'est totalement injuste, finalement, le crowdfunding. Et c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, Oculus Rift chez Facebook, qui a été vendu juste après... Enfin, que Facebook a racheté 3 milliards, je crois, qui était un produit du crowdfunding, et dont toutes les personnes qui ont financé l'Oculus Rift n'ont vu absolument aucun bénéfice, ce qui peut être vu comme un peu injuste. Et là, il y a vraiment un financement qui est très fluide et très, très,
très facile qui permet de financer de l'innovation très risquée. Ça veut dire que les projets, souvent, on n'a aucune garantie, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais cependant, ça crée des dangers très forts parce qu'il y en a beaucoup qui voient une opportunité de lever des fonds sans voir les conséquences. Donc on va créer un token, même s'il n'a aucune utilité, il n'a aucun intérêt, etc. On va essayer de faire en sorte que son business soit raccord avec l'écosystème des blockchains, dire oui, alors moi j'ai besoin d'une blockchain alors que j'en ai pas vraiment besoin, mais comme je sais que ça peut m'aider à lever des fonds, je vais essayer de faire comme ça. On a donc pas mal de projets dont on peut douter de l'utilité des tokens et de l'utilisation de ces protocoles-là juste pour lever des fonds. Ce qui peut créer un problème de confiance à terme et des problématiques juridiques, et on verra la suite plus ou moins de toutes ces procédures-là, de tout ce monde-là dans les mois qui viennent. Et on risque de se diriger vers un peu plus de pragmatisme et de sérieux. Donc il faut différencier entre guillemets plusieurs levées. Il y a les levées de fonds pour des protocoles nouveaux. Donc comme Ethereum avait fait une levée de fonds pour lancer son protocole, on peut considérer qu'Ethereum est public et décentralisé, même si certains diront que c'est pas du tout le cas, c'est Vitalik qui tient Ethereum, etc. On peut considérer que c'est un protocole plutôt neutre, même si je suis pas 100% convaincu de la neutralité d'Ethereum, mais on peut considérer que c'est un protocole neutre sur lequel tout le monde peut co-créer, qui est décentralisé, qui est ouvert, etc. Après, il y a des tokens qui sont juste autonomes par leur contrat. Alors, on va créer un contrat autonome sur lequel personne n'a la propriété, qui va s'exécuter tout seul et qui va émettre des jetons qui vont avoir certaines particularités. Et un token représentatif, donc là, c'est j'ai une boîte, je veux qu'on me paye dans mes boîtes coin, mes XXX coins concernant mon entreprise. Et donc là, j'ai clairement un jeton qui est juste un support pour moi. Donc, vertu nécessité, je pense que les jetons doivent avoir une valeur intrinsèque justifiant leur valorisation. Alors, soit technique, comme dans un protocole, ça veut dire que finalement le jeton dans un protocole, il a une valeur pour sécuriser ce protocole, il a une valeur parce que le protocole est sûr, donc on a une espèce de cercle vicieux qui fait que ça fonctionne, mais on a un jeton qui est totalement indépendant. Bitcoin ne représente rien d'existant ou de sous-jacent. Bitcoin représente Bitcoin c'est un jeton essentiel, ou des jetons qui auront une valeur juridique parce qu'ils représenteront quelque chose. Mon jeton est une part d'entreprise, mon jeton représente un lingot d'or, mon jeton représente quelque chose d'autre, ou mon jeton est quelque chose pour mon service, etc. Mais en tout cas, le pont sera juridique. Mais cet entre-deux qu'on a actuellement risque de disparaître plus ou moins. Donc qu'est-ce que ça permet pour l'économie réelle? Quels sont les cas d'usage qu'on peut avoir avec tout ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain pour la région, pour l'économie réelle? Donc déjà, il faut partir du principe que Bitcoin a beau être global, c'est vraiment un objet global. Hein. C'est-à-dire que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, Bitcoin c'est en quelque sorte sur la Lune, parce que c'est nulle part précisément, c'est partout à la fois. Mais cependant, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'association, comme Bitcoin est un support qui est global, n'importe qui peut se le réapproprier. Et de plus, son code est libre. Donc nous, avec l'association, on se le réapproprie en se servant finalement de ces facultés de consensus à tout petite échelle pour gérer notre trésorerie. Mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Donc c'est une nouvelle manière de voir le global avec, finalement, un peu comme Internet, un support qui est le même pour tous, mais qu'on peut se réapproprier localement. Mais qu'on peut se réapproprier, qu'on peut customiser, parce que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un protocole, c'est un alphabet, on peut se le réapproprier, on peut construire dessus. Et donc finalement, on va pouvoir avoir énormément d'innovations dans l'économie réelle avec petit à petit la mise en place d'initiatives ou de services dédiés et bien sûr d'un cadre juridique adapté, parce que si les entrepreneurs ont peur, ils ne peuvent pas se lancer. Si les utilisateurs ont peur, ils ne se lanceront pas non plus. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir exercer son droit d'utiliser ces protocoles sans avoir peur. Je ne sais pas si en Suisse c'est le cas, en France il y a des gens qui peuvent presque avoir peur d'utiliser Bitcoin tant Bitcoin a eu une mauvaise presse. Donc finalement à ce niveau-là, la question ce n'est qu'une question de temps. Et donc comment on peut finalement participer à l'économie réelle? On peut déjà, je vais commencer par les aspects financiers. Donc là je vais ouvrir un peu le débat et le sujet, c'est le débat qu'on aura juste après, avec plusieurs catégories de secteurs plus ou moins où l'économie réelle pourrait être touchée par ce nouveau paradigme, ce nouvel écosystème.
Donc on a d'abord le financement. Donc on peut financer des entreprises, comme on l'a vu, avec des ICO dans le monde entier. Alors ça, c'est assez fort, parce que pour la première fois, je peux potentiellement financer un paysan africain, une petite épicerie en Thaïlande, ou je ne sais quoi. N'importe qui peut, avec suffisamment d'exposition, se présenter à tous pour avoir de l'investissement, avoir de l'argent. Et ça, c'est extrêmement fort, même au niveau local, parce que ça permet de décentraliser et de déterritorialiser l'investissement local. Souvent, enfin, en tout cas, c'est plus ou moins le cas en France, mais les subventions sont extrêmement territoriales. Ben là, on peut imaginer qu'un partenaire chinois, un partenaire thaïlandais ou je ne sais quoi, qui a un intérêt à subventionner, par exemple, une usine horlogière en Suisse, pourrait le faire. Parce qu'elle aurait un intérêt à le faire et elle aurait beaucoup moins de problèmes de devises, beaucoup moins de problèmes de transparence, etc. On peut vraiment repenser l'investissement au niveau global tout en mettant en avant notre côté local. Et c'est ça qui est fort. Parce que l'investissement et la liquidité, c'est un énorme problème. Donc après, il y a tous les aspects monétaires qu'on a vus, parce que vu si on peut créer des jetons qui sont fiables et infalsifiables, on peut facilement créer des monnaies, ou des simili-monnaies en tout cas, et donc on peut créer potentiellement des monnaies locales. On peut émettre un jeton, lui donner telle propriété, et faire en sorte de dire, ce jeton-là, il peut être accepté que ici ou là-bas. On peut vraiment donner, vu que c'est un protocole, on peut écrire toutes les règles de notre jeton. Donc on peut vraiment faire des monnaies assez complexes, qui peuvent être utilisées à l'échelle locale. Et on peut également penser à une monnaie étatique. On pourrait très bien avoir un jeton émis par l'État qui va dire, ou enfin par la banque centrale en question, qui va dire, bon, mais 5% de ma masse monétaire, c'est en monnaie numérique. C'est en monnaie numérique décentralisée. Et admettons, les notaires, les huissiers, les assureurs, des commerçants deviennent les nœuds de cette monnaie-là dans un système de consensus avec de la délégation, quelque chose comme ça. On peut vraiment tout imaginer vu qu'on peut tout programmer. C'est ça la force de ces protocoles-là. Après, on va pouvoir avoir enfin, aussi des monnaies pleines parce que finalement, tous ces jetons-là, ils sont essentiels, comme on l'a dit, comme Bitcoin. Ils existent par eux-mêmes et dans eux-mêmes. Ils ne sont pas forcément la représentation de quelque chose. Donc on pourrait très bien penser à aussi l'émission d'une nouvelle monnaie, carrément, pas juste une représentation d'une monnaie. On va pouvoir titriser beaucoup de choses aussi, également. On va pouvoir facilement créer des titres ou les représenter, du moins. Actuellement, dès que vous avez une petite entreprise, ce n'est pas forcément facile pour pouvoir céder les parts de votre entreprise. Il y a très peu de liquidités sur le marché des TPE-PME. Avec tout ça, on pourrait en créer au niveau local, finalement, et même au niveau national. Hein, ce sont les TPE-PME qui font vivre les pays. Et on pourrait ajouter énormément de liquidités dans ces marchés-là. Ça veut dire qu'on peut potentiellement être actionnaire de sa boulangerie et avoir des réductions sur les croissants. C'est une possibilité. On peut vraiment commencer à repenser l'économie en tant qu'agent économique participant sans cesse à toute l'économie qui nous entoure. Enfin, il y a des prêts. On peut faire des prêts en pair à pair. On peut revenir aussi à une économie où on va moins faire de réserves fractionnaires. On va moins inventer de la monnaie qui ne repose sur rien. Mais on va tout simplement déplacer les flux monétaires qui sont inutiles ou autres. Et ça, on peut le faire également de manière beaucoup plus facile en crypto parce qu'on va pouvoir... on peut potentiellement gager n'importe quoi si on arrive à faire des liens entre le physique et le numérique. Et en plus, on peut automatiser tout ça. Donc on va pouvoir aussi du scoring petit à petit des utilisateurs. On saura si quelqu'un est fiable ou pas pour faire un prêt. On a tout un monde réputationnel qui peut aussi émerger tout en protégeant la vie privée de l'utilisateur. Il y a tout ce qui est jumelage et internationalisme. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On peut par exemple, une entreprise, où que ce soit dans le monde, pourrait directement travailler avec une autre entreprise sans aucun frais et en pouvant même avoir un portefeuille commun ou ce genre de choses. Donc on a vraiment une logique On peut vraiment faire de la coopération internationale comme on l'a jamais fait actuellement parce qu'on peut le faire extrêmement facilement. Et on peut le faire en circuit direct, sans avoir des intermédiaires, de la captation, etc. Même si il y aura toujours les problèmes juridiques et légaux qui ne seront jamais bien loin. Donc après, il y a tout
beaucoup de domaines touchés d'entreprises. Donc là, j'en ai pris quelques-uns, mais donc, par rapport à l'industrie, on a le minage qui peut être un enjeu de souveraineté et qui peut concerner absolument tous les États du monde qui voudraient participer finalement à l'entretien de ces réseaux-là. Mais ça peut être autant de la souveraineté étatique que de la souveraineté populaire. On peut très bien penser à des citoyens qui se regrouperaient entre eux pour réussir à peser un petit peu dans un réseau. Mais ça va sûrement avoir une importance parce que plus le consensus sera distribué à travers le réseau, plus les réseaux seront sûrs et plus les réseaux seront incorruptibles. Enfin, il y a tout ce qui est de l'énergie. Ça veut dire qu'on va pouvoir relier finalement ces réseaux-là à des réseaux de distribution énergétique. Et si on arrive à faire ce lien également, on va pouvoir enfin avoir de l'énergie au compte-gouttes qu'on pourrait s'échanger avec son voisin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, petit à petit, si on devient des producteurs, en même temps producteurs et revendeurs d'électricité, mais on va pouvoir chacun être producteur-revendeur et finalement s'échanger de l'électricité. Mais pour ça, il faudra bien des normes, finalement, des normes pour réussir à organiser tout ça. Et grâce à ces protocoles-là, on va pouvoir les avoir parce qu'on aura des normes communes d'échange de la valeur. Et c'est ça, finalement, qu'on crée tous ces protocoles-là. Donc on a également la traçabilité qui va pouvoir être effectuée. Donc ça, c'est on en parle souvent quand on parle des protocoles à blockchain. Tous les enjeux en termes de traçabilité n'ont pas encore été résolus, mais en tout cas, on risque sûrement d'arriver à avoir des modèles de traçabilité intéressantes. Et là, je pensais par exemple aux montres ou à la micromécanique dans le comptant qui peut bénéficier de ce genre d'expérimentation actuelle et de mise en place future. Il y a tous les modèles mutualistes. On peut très facilement faire une mutuelle, parce que finalement, qu'est-ce qu'une mutuelle si ce n'est une mise en commun avec un quorum ? Eh bien, dans le cas de Bitcoin, on peut le faire très facilement. Dans le cas d'Ethereum, on peut le faire très facilement. Donc, sur ces protocoles-là, on peut très facilement avoir des modèles mutualistes. On peut facilement mettre en commun en définissant des règles de gestion commune. Et donc, on a ce qu'on appelle plus ou moins les DAO, les organismes décentralisés autonomes. Et on va pouvoir faire ce genre d'organismes, eh bien, on peut très bien penser que ça peut redonner un regain de vie aux associations locales. On peut très bien penser que ça va permettre, par exemple, à des paysans de se remettre ensemble pour leur mutuelle au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre. Peut-être recentrer certains commerces, certains business à l'échelle locale qui s'étaient internationalisés parce qu'il n'y avait pas assez de fonds, parce que c'était dur à organiser ou autre. En tout cas, il y a plein de secteurs comme ça qu'on va pouvoir... On va pouvoir retisser du lien. Parce que, en tout cas, si on ne se relocalise pas, on retissera du lien ensemble parce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est purement des réseaux. Donc ce n'est que des histoires de liens. Et enfin, je pensais aussi à la Suisse parce qu'il y a énormément d'enjeux en termes de vie privée actuellement. Beaucoup d'entreprises numériques vont en Suisse pour leur data center en termes de loi sur la vie privée, qui est plutôt intéressante, comme Proton Mail ou Proton VPN. Et donc, il y a peut-être tout un enjeu en termes de données de stockage décentralisées, avec, si entre guillemets, les organismes ou les fondations, ou en tout cas les recherches sur ce sujet se font en Suisse, ça pourra bénéficier peut-être d'une confiance un peu supplémentaire dans l'intention de ces gens-là ou dans peut-être la mise en place de ces solutions, parce que la Suisse a plutôt une bonne réputation en termes de vie privée. Donc après, comme je vous le disais, ces technos-là sont globales, donc finalement ce qui fera qu'une technologie ira à tel ou tel endroit, ou du moins les défenseurs de technologie ou les organisateurs de cette technologie, c'est l'attractivité du pays. Et après, tout ce qu'on pourra faire, c'est uniquement utiliser ces technologies, les rendre accessibles au public pour qu'elles soient utilisées localement. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que toutes ces technos, elles, restent à l'échelle internationale. Après, on a un dernier enjeu qui est extrêmement grand au niveau local, qui n'est pas que économique, c'est l'enjeu de la citoyenneté, avec une gestion de l'identité qui peut radicalement changer. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en tout cas dans la majorité des pays du Nord, on a une totale... on délègue totalement nos identités aux géants tels les GAFA. On leur donne tout pouvoir sur notre identité numérique. On n'a quasiment aucune propriété de notre identité numérique. On peut d'accord réclamer nos données à Facebook, super, mais en attendant, je ne les possède toujours pas, j'en ai juste connaissance.
Et là, on va pouvoir peut-être s'émanciper petit à petit en termes d'identité et se réapproprier notre identité. Et ça, ça change tout. Typiquement, une monnaie locale, qu'est-ce que c'est sinon une vérification d'identité ? Quand j'utilise une monnaie locale complémentaire, je vérifie juste l'identité de la personne. Je vérifie qu'elle est bien locale et qu'elle va bien dans un commerce local. C'est deux jeux d'identité qui parlent entre eux. Finalement, le jeu monétaire n'est pas très important là-dedans. Si ce n'est qu'on va faire une réduction ou autre. Mais ça, ce passage-là du protocole, entre guillemets, il est plus identitaire que monétaire. Donc l'importance de l'identité, elle est capitale dans nos relations entre nous. Et en plus, avec des systèmes d'identité fiables, tout en respectant la vie privée et plutôt anonyme, on va même pouvoir coopérer. Et ça se voit déjà dans le monde du Bitcoin, hein, la réputation juste avec un pseudo. On va pouvoir coopérer à un niveau international avec des anonymes, avec des enjeux colossaux, sans avoir aucune crainte. Parce qu'on saura que ça, c'est fiable. Donc, sur l'identité, il y a un énorme enjeu à saisir. Là, je l'ai juste introduit pour qu'on puisse même en discuter tout à l'heure. Ensuite, il y a les aspects politiques. Qu'est-ce qu'un vote si ce n'est une transaction ? Un vote, c'est finalement donner une voix à quelqu'un, donc c'est transmettre une voix à quelqu'un. Et donc, pourquoi ça ne serait pas transmettre un token ? Sachant qu'on sait faire des protocoles qui garantissent l'anonymat des personnes qui votent, on peut très bien penser réussir petit à petit à créer des protocoles de vote. Et donc, on peut avoir une révolution plus ou moins de... Enfin, peut-être pas en Suisse, parce que la démocratie directe est assez forte en Suisse, mais en tout cas, dans beaucoup d'autres endroits du monde, on pourrait avoir plus de participation démocratique et une démocratie beaucoup plus directe, où on pourrait répondre à des questions beaucoup plus souvent, participer beaucoup plus souvent, notamment à cause de cette contrainte technique que sont l'organisation des élections, leurs coûts, etc., etc. Là, il suffirait d'un smartphone et on aurait quelque chose que tout le monde pourrait vérifier, avec des signatures électroniques que tout le monde pourrait vérifier, un code source que tout le monde pourrait aller voir. Et donc, c'est aussi rentrer dans une nouvelle société. Aujourd'hui, tous les stats concernant la défiance sont en augmentation drastique et on pourrait peut-être réentrer dans une société de la confiance grâce à des protocoles qui sont... sans confiance ou sans foi, qu'on appelle trustless. Finalement, tous ces protocoles, on a besoin de croire personne pour effectuer des opérations. Mais ça nous redonne confiance aux autres, parce que finalement, on arrive de nouveau à coopérer, à communiquer, parce qu'on a un protocole fiable, dont on n'a plus de personnes sur lesquelles on doit forcément compter. On sait que l'exécution de nos opérations va bien se passer, donc on peut de nouveau se faire confiance. Et ça, c'est capital également de pouvoir de nouveau se faire confiance. Il y a tout ce qui est transparence des comptes publics, il y a en termes politiques, bien sûr, la gestion de l'identité aussi qui est importante. Mais en tout cas, il y a énormément d'enjeux comme ça, politiques, sur lesquels ces protocoles-là vont pouvoir avoir beaucoup de changements. Donc en conclusion, tout comme Internet à son époque, ben, on ne sait pas trop ce que deviendront demain ces protocoles et comment nous les utiliserons, parce que finalement, en 2000, celui qui pouvait décrire l'Internet actuel, bonne chance, parce que c'était quand même pas évident. On a finalement découvert ce qu'est l'utilisation d'Internet actuel il y a finalement 4, 5 ans, voire 10 ans maximum, mais on aurait pu très difficilement le prévoir avant. Alors je pense que c'est un peu pareil pour cet écosystème-là. On peut imaginer plein de choses, mais on aura toujours du mal à voir les véritables applications qu'il y aura demain. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On peut bien sûr réfléchir au sujet, mais on peut surtout expérimenter. Donc pour faire avancer les choses, il faut expérimenter, il faut aller de l'avant, donc s'approprier tous ces nouveaux concepts, ces nouveaux objets, bidouiller avec, avoir un peu un esprit de hacker, et ça passera par l'expérience utilisateur par la suite, donc le fait de rendre les choses lisibles et accessibles à tout le monde, et également par l'invention de services forts et par l'intervention des communautés qui doivent être stimulées, qui doivent co-créer ensemble, recréer des réseaux forts. Donc l'avenir est radieux, à nous de le saisir. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup Adli pour cette... exposé extrêmement dense, mais alors extrêmement facile en termes d'expression. Donc, soulevez beaucoup, beaucoup de questions. Je vais en soulever une tout d'abord et ensuite donner la voix au public. C'est vrai qu'aujourd'hui, on résume en grande partie le développement régional, en tout cas ce qu'on connaît en Suisse, à Zug. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on a connu aussi à Neuchâtel à une époque.
développement exogène, c'est-à-dire on va attirer les big players, ceux qui ont de l'argent, puis on va les faire s'installer chez nous. Et puis, ils payeront des impôts, peut-être qu'ils créeront des emplois, c'est pas encore sûr à dessous, par exemple. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce modèle-là est un modèle à suivre, ou est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en faisant notamment venir des big players, mais aussi en faisant des expérimentations locales, concerner beaucoup plus de régions à ces monnaies Alors, attirer déjà, c'est malgré tout important, parce que, même si y a pas que ça, mais attirer reste malgré tout important, parce que pour l'instant, les personnes dans les cryptos cherchent des endroits où atterrir. Donc les attirer, c'est pas mal, parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas forcément satisfaits là où ils sont. Donc les avoir, c'est toujours mieux que l'inverse, parce que c'est des gens qui sont déjà formés, qui sont déjà intéressés, qui ont déjà des idées ou des projets. Après, attirer pour attirer, ça ne vaut pas forcément le coup, parce que l'important, c'est d'attirer, mais aussi, c'est aussi de permettre la création à terme. C'est-à-dire que si c'est attirer pour juste stocker des fonds, et que finalement les équipes de recherche elles soient ailleurs, que les serveurs soient ailleurs, l'exécution soit ailleurs, c'est pas forcément intéressant. Parce que ce qui est intéressant dans notre cas, c'est même de penser que peut-être qu'à terme, la majorité de ces entreprises-là, elles n'auront aucun sociétaire dans le pays en question. Parce que si on est dans une logique d'organisation décentralisée autonome, on peut très bien penser que les structures d'actionnariat vont aussi bien plus se balkaniser et avoir des entreprises dans lesquelles on aura des actionnaires un peu partout qui prendront des décisions en commun sans aucun problème parce qu'ils auront des outils de gouvernance efficaces. Mais par contre, ils n'auront plus du tout besoin d'être au même endroit. Donc finalement, on a déjà des coquilles vides juridiques, mais là, ça sera encore plus des coquilles vides juridiques parce que ce sera vraiment juste des supports nécessaires parce qu'il faut être enregistré quelque part pour exercer une entreprise. Donc la véritable force, c'est d'attirer les communautés et de les faire créer ensemble et rester ensemble pour avoir une émulsion, une force de création et de réflexion ensemble. Pour moi, c'est ça qui... C'est les aspects communautaires, l'aspect réseau très fort qui permet d'avoir de la création. Après, c'est très difficile parce que, comme je disais, on est vraiment sur deux niveaux. Il y a le niveau global aussi et il y a plein de gens qui, depuis 10 ans, créent ensemble sur Internet en toute simplicité aussi, sans jamais s'être connus. Et pourtant, qui ont créé des projets qui sont valorisés à plusieurs millions. Donc, c'est assez dur à déterminer. Donc, il s'agit de trouver un ancrage local. Donc, j'ouvre la parole. Les transactions en bitcoin consomment autant d'électricité d'après cet article que la Suisse. Ça ne paraît pas très écologique. Alors, bon. C'est un très long débat, très long sujet. Alors, j'aimerais savoir d'où vient l'étude. Eux, d'où ils sortent leurs chiffres, comment ils les calculent ? Alors, il faut demander à la BNP. Voilà. C'est ça le problème. Déjà, on peut dire que l'interlocuteur en face n'est pas totalement neutre, comme la BRI face à Bitcoin, on peut se poser quelques questions. Mais bon, en omettant ça, il faut partir du principe qu'il y a vraiment plusieurs études concurrentes sur ce sujet-là, sur le sujet de l'écologie, parce que, bon, c'est vrai que Bitcoin consomme, on peut dire ça consomme énormément, etc. Déjà, c'est assez dur à évoluer, et après, il faut aussi mettre en face que remplace Bitcoin et que pourrait remplacer la consommation de Bitcoin. Ça, c'est une première étape à faire. Où on voit que les distributeurs automatiques dans le monde entier consomment quasiment déjà autant que Bitcoin. L'extraction de l'or, je ne vous parle même pas du désastre écologique. L'impression des pièces anglaises pollue autant que Bitcoin également. Donc finalement, si on met en parallèle la pollution de Bitcoin par rapport à plein d'autres systèmes financiers ou monétaires, on s'en sort pas trop mal. Et en dehors de ça, c'est surtout, il y a un dernier point qui commence à émerger du côté des mineurs et du milieu de l'énergie. D'abord, il y a encore autre chose, c'est que les mineurs, vu qu'ils sont guidés par l'argent, leur seul but, c'est de gagner le plus d'argent possible par kilowatt dépensé. Donc ils essaient d'optimiser le maximum possible.
et se dirige très souvent vers soit des infrastructures abandonnées, soit de l'énergie en surplus, soit ils créent eux-mêmes leur circuit d'énergie qui veut leur rapporter plus pour pouvoir de l'électricité moins chère. Enfin, ils vont essayer de la recycler pour gagner encore plus d'argent, c'est-à-dire que cette chaleur que crée le minage, ils vont pouvoir chauffer des hôpitaux, des piscines, etc., pour en plus revendre leur électricité et donc avoir encore plus de revenus. Et enfin, il y a un dernier point important, c'est que le minage peut potentiellement être un facteur de financement et d'innovation pour les énergies vertes, parce que là où on a énormément de problèmes à financer les énergies vertes, parce que souvent... elles sont peu rentables au début. Enfin, pour atteindre le seuil de rentabilité, il y a un temps qui est incertain et un gain qui est incertain pendant une longue période. Et ben, avec Bitcoin, on peut par exemple dire, enfin, un mineur, il sera très content d'acheter pendant 10 ans l'électricité à tel prix et de le fixer d'avance. Donc finalement, il va peut-être pouvoir offrir un coussin de financement à ces énergies vertes. Donc on a vraiment plusieurs manières de voir les choses. Alors moi, je dis pas que ce que je dis, c'est la vérité absolue sur comment il faut voir l'écologie et Bitcoin. En tout cas, la question, elle est loin d'être tranchée, elle est loin d'être dogmatique, comme on le voit souvent dans les journaux, en disant Bitcoin, ça pollue, c'est mal. Voilà. Il faut remettre dans le contexte de pourquoi ça pollue, par rapport à quoi ça pollue, et voir si finalement on n'est pas aussi sur un nouveau modèle de consommation d'électricité, où on peut motiver la consommation d'électricité pour aller dans une meilleure direction. Mais c'est un argument qu'on peut totalement objecter à Bitcoin, et beaucoup s'en servent aussi pour mettre en avant d'autres algorithmes de consensus qui, eux, dépensent moins d'énergie. Merci déjà pour cette conférence, c'est extrêmement intéressant de développer. Déjà par rapport à monsieur, pour répondre, vous affirmez, vous confirmez, chaque transaction Bitcoin, effectivement, elle utilise 911 kWh. Vous allez avoir pour le distinguer. Ça sert à quoi? C'est pour l'enregistrer. Selon Morgan Stanley, Bitcoin utilise en 2018 environ la même énergie que l'argent. Encore une fois, c'est très neutre cette année. On va se parler d'information. Selon Jean-Pierre, comme toute innovation ou création destructive, c'est pas parfait. Alors, effectivement, tu vas dire énergétique. Aujourd'hui, à ce stade-là, je ne veux pas utiliser le terme désastreux, mais c'est pas parfait, c'est améliorable. Maintenant, par contre, les quelques questions, monsieur. Vous avez peut-être aussi lu aujourd'hui la prise de position de la BNS par rapport à la monnaie. Ils disent que c'est pas fiable, c'est dangereux, c'est anonyme, problème de blanchiment d'argent. Moi, j'aurais deux questions. Je profite de la présence de M. Caracas, je vais prendre ma chance en famille, qui est ingénieur EPFL. Je vais demander au canton, est-ce que, mis à part de l'industrie 4.0, parce que vous êtes tous conscients d'une industrie, si elle veut créer la valeur ajoutée sans la finance, ça ne joue pas. Vous parlez alors de Zoug. Ça veut dire que c'est un centre financier et une étude financière. M. Caracas, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en fonction de ces crypto-monnaies, on a quand même un certain avantage dans ce canton? Est-ce que vous pensez, dans le cadre de vos conventions économiques, qu'on pourrait aussi développer ce qu'on appelle Finance 4.0? Et puis, une question tout concrète, ici, j'ai une initiative la semaine prochaine pour parler au Grand Conseil d'une e-monnaie locale. Est-ce qu'il faudrait créer, oui ou non, une e-monnaie locale? La question que je vous pose, monsieur, est-ce qu'on pourra la faire localement sous forme de crypto-monnaie? C'est à moi, du coup, monsieur le ministre. La première question est à M. Caracas, qui va du politique. Ça va quand même d'avoir vos réponses. Est-ce qu'on a la volonté, la compétence de faire comme sous un fonds d'excellence finance 4.0? Se base sur des sociétés qu'on a ici dans le canton Bitcoin. Et la deuxième question est plus concrète. La semaine prochaine, au Grand Conseil, on pose la question, est-ce qu'il faudra faire une monnaie locale traditionnelle, oui ou non? Et moi, je dirais, si on le fait, est-il possible de le faire sous forme d'une crypto-monnaie? Merci beaucoup. Merci à vous. Faire une monnaie locale sous forme de crypto-monnaie, enfin, c'est possible de plein de manières différentes en utilisant différents protocoles, mais en tout cas, oui, c'est totalement possible. Et on peut la faire en faisant en sorte que les gens participent ou pas
à cette crypto-monnaie, on peut faire en sorte que ce soit quelqu'un qui la contrôle totalement, on peut, enfin, ce ne sont que des paramètres qu'on peut choisir. Donc ça, c'est absolument faisable. Après, il y a bien sûr un travail de développement à faire pour que les utilisateurs puissent s'en servir facilement. Mais comme il y aurait un travail à faire pour designer les billets d'une petite monnaie locale qu'on ferait. Mais en tout cas, oui, c'est totalement imaginable. Si la question, c'est celle-ci, c'est absolument faisable. Bah alors, je peux vous dire concrètement, soit vous prenez le protocole Colored Coin, qui est un méta-réseau dessus de Bitcoin, qui est interprété par d'autres nœuds qui vont dire là, dans cette transaction-là, Bitcoin, en fait, il y a tant de jetons qui ont été passés à tant de personnes. Et en fait, ce jeton-là, on appelle ça Colored Coin parce que ce sera le coin de la vallée ou je ne sais quoi. Mais on peut aussi être sur Komodo et dire j'ai une sidechain Komodo, donc j'ai une chaîne latérale qui est indépendante, qui a des règles monétaires différentes, qui est entretenue par des nœuds dont on aura choisi, entre guillemets, la composition, et dans lequel on pourra s'échanger des jetons qui seront garantis par la chaîne Komodo. Oups. On aura aussi la possibilité d'émettre un contrat Ethereum sur lequel on va émettre des jetons. Enfin, vraiment, les solutions sont diverses et variées. Et, je peux vous en décrire comme ça à la chaîne, mais je vois pas. Pour vous, c'est faisable. Ah, absolument, oui, ça c'est faisable. Après, il faut faire en sorte que ce soit accessible. C'est ça le plus important. Et que ce soit potentiellement pas trop coûteux. Donc faire un peu aussi des études avant sur combien ça coûterait en termes de frais de transaction, en termes de... Enfin, réfléchir à l'avancée de cette monnaie dans le temps si on veut qu'elle soit durable. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce qui est des monnaies locales, je pense qu'on aura l'occasion de faire le débat au Parlement sur le fait de savoir si ça vaut la peine d'étudier. Le gouvernement que je représente est ouvert à l'étudier. Voilà, avec un certain nombre de questions ouvertes. On veut en même temps être très internationaux. Comme ça, on a assez tendance à dire que si un canton suisse devait rejoindre l'euro, ce serait Neuchâtel le premier. Et ça paraît particulier en même temps de se dire qu'on va créer une monnaie locale avec le but de faire tourner l'argent uniquement chez nous, et en même temps tout ce qu'on produit, on le vend dans le monde entier. Donc il y a des questions un peu intellectuelles derrière, mais why not pour finalement commencer par les jetons présentés le plus tard, peut-être. Donc, plus sérieusement, ce qui est vraiment intéressant, si on parle d'une crypto-monnaie, c'est de mettre des fonctions. C'est de lui mettre des fonctions, c'est-à-dire que ce soit une monnaie intelligente, qu'elle fasse un certain nombre de vérifications elle-même, et pourquoi pas qu'elle évolue de manière autonome. Ça, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'elle peut apporter de plus par rapport à... Bien sûr. C'est-à-dire qu'on définisse, nous, les règles d'évolution de cette monnaie. Ça, c'est les possibilités offertes par les cryptos. Puis ensuite, pour ce qui est du développement économique à Neuchâtel, alors il faut toujours avoir conscience qu'on n'est qu'une petite portion d'un confetti qui est la Suisse occidentale, elle-même un morceau de confetti de la Suisse. Donc, on n'a pas forcément la prétention de créer des écosystèmes complets à l'échelle purement locale. Je pense que la Suisse, elle a une place à jouer. Elle a une crédibilité comme place financière, donc elle a forcément un rôle important à jouer dans l'évolution des crypto-monnaies, et c'est certainement pas au cœur des centres financiers actuels que ça va se passer. Il y aura trop de résistance sur le fait de créer des écosystèmes qui sont favorables, donc je pense que c'est une opportunité pour nous de se positionner aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le fait. Et puis par ailleurs, pour nous, on a besoin d'avoir des gens qui maîtrisent les technologies sous-jacentes aux crypto-monnaies, par rapport aux besoins de l'évolution de nos industries traditionnelles. On pense qu'effectivement, dans la rencontre de ces technologies-là, on va être au cœur du bouleversement des chaînes de valeur que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, y a les économistes, ils appellent un truc, enfin, tu connais la fameuse courbe du sourire. Hein? Donc, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre la recherche et développement, assez élevée, la production, rien du tout, et puis la distribution et le commercial, énorme. Et donc nous, comme on est focalisé sur la production, on est content si on peut bouleverser un peu les chaînes de valeur et puis étendre notre rampant sur les deux côtés du sourire. Magnifique, merci. Nicolas Paris, de Châtel, j'avais juste rebondir sur deux questions encore. Qui sont super intéressants.
C'est pour enregistrer là. Alors, merci à le premier monsieur qui avait parlé en fait, du coût énergétique aujourd'hui, hein, de la blockchain, enfin, surtout la Bitcoin qui est énormément consommateur d'énergie. C'est un très bon point aujourd'hui, aussi dans une région industrielle comme la nôtre, qui est un peu une capitale ici de l'électronique à très faible consommation d'énergie. Donc, s'il y a des questions à soulever là-dessus, je pense que les gens ici peuvent apporter des réponses ou en tout cas peuvent aider à faire qu'aujourd'hui les mineurs consomment moins d'énergie. Ça, il y a des choses qui sont à voir ici. Je remercie aussi M. Lourdes pour sa question, à laquelle, avec le peu d'expérience que j'ai ici, je peux répondre oui, nous avons les compétences ici pour faire ce que vous avez posé comme question. Donc, on a les compétences aujourd'hui pour forcément travailler sur le domaine régional. Et ma question tourne aussi au niveau du domaine bancaire, enfin, c'est pour dire au fond. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à faire travailler une banque centrale, je peux parler de la BNS en Suisse, et à lui dire tu vas devoir développer une monnaie qui est complètement décentralisée. Comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un qui est centralisateur de l'émission d'une monnaie la charge, la possibilité de créer quelque chose de décentralisé sur lequel finalement il n'y aura peut-être plus de contrôle? Bah, déjà on n'est pas obligé de lui dire... Bam! Enfin, mais donne ton protocole et chacun va miner, etc. On peut penser un truc progressif. Admettons, pour faire un peu passer la pilule, un protocole sur 20 ans où petit à petit la majorité des nœuds détenus par la Banque Centrale diminue. Un truc comme ça serait envisageable. Après, il faudrait avoir confiance en la Banque Centrale sur le début du protocole pour qu'ils ne changent pas le protocole en cours de route et fassent durer l'expérience où ils sont majoritaires. Mais en tout cas, on pourrait très bien penser voilà, une logique en tout cas d'engagement sur le long terme à une décentralisation petit à petit. Après, il y a d'autres modèles. Comme je disais, on peut très bien penser à dire... parce qu'il y a des consensus qui sont ce qu'on appelle le Delegated Proof of Stake, où on va avoir des consensus finalement qui sont... où il y a des délégués. Donc c'est revenir à la démocratie représentative, ce qui n'est pas forcément idéal pour mettre en place un consensus, mais qui pourrait sier à des organismes publics. Et donc on pourrait dire, je vais donner finalement le droit de s'enregistrer en tant que candidat à un ensemble de pairs que je juge compétents. À des banques privées, mais comme je disais, hein, des notaires, des assureurs, enfin, des services qui sont assez proches des institutions, et petit à petit dire, le boulanger du coin, il peut aussi mettre un nœud, et petit à petit dire, le particulier, lui aussi, peut mettre un nœud. Et au fur et à mesure, créer comme ça un réseau un peu plus décentralisé. Et après, il y a l'autre solution, qui est de faire un truc totalement décentralisé dès le début, mais là, oui, pour convaincre, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est pour convaincre les banques centrales dans ce sens-là, c'est de leur dire que, pour l'instant, leur monnaie n'existe pas aux yeux des crypto-monnaies, parce qu'il y a très peu d'interconnexions entre les deux. Le jour où il y a une cyber-monnaie qui est étatique, ça crée beaucoup plus d'interconnexions d'un coup. En tout cas, il y a un enjeu pour les banques centrales, beaucoup plus que pour les banques privées, à reprendre de la souveraineté. C'est-à-dire que elles, actuellement, dans le cyberespace, elles ont perdu. Dans le cyberespace, c'est Mastercard qui gagne, c'est Visa qui gagne, c'est PayPal qui gagne, c'est les banques privées. Tous les réseaux de paiement sont quasiment américains, sauf les réseaux de paiement chinois, on va dire, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que dans le cyberespace, les banques centrales ont perdu le combat. Donc, on peut leur présenter comme argument le fait que si elles veulent regagner ce combat, il va falloir apprivoiser le cyberespace tel qu'il est maintenant. Et donc, une des manières, c'est de jouer avec les règles de ce jeu-là. Et de s'ancrer dans cette réalité-là pour essayer de reprendre la souveraineté. Après, le problème, c'est que c'est un jeu de domino. Parce que si elles permettent aux citoyens d'accéder à la monnaie centrale, pourquoi les citoyens vont garder leurs actifs en banque, qui sont de la monnaie plus ou moins privée, et que si la banque se casse la gueule, ils n'ont plus rien? Alors que s'ils ont de la monnaie centrale, théoriquement, à moins que l'État se casse la gueule, ils gardent leur monnaie. Donc, il y a aussi une adversité difficile et un équilibre difficile pour les banques centrales de ne pas dire mais maintenant les banques privées, vous nous avez servi pendant quelques années, mais là, c'est terminé, on va émettre nous-mêmes la monnaie, on n'a plus besoin de vous. C'est complexe. Mais en tout cas, il y a cet argument-là, pour moi, l'argument le plus fort, c'est quand même celui de la souveraineté, parce qu'actuellement, il y a
uniquement Mastercard, Visa, et enfin les réseaux de paiement, il y a une non-souveraineté, une non-répartition totale dans l'espace des échanges et des flux. Bonjour, moi j'avais une petite question par rapport au titre de votre présentation. Ah. Vous avez dissocié Bitcoin et crypto-monnaie, pourquoi ? Bitcoin c'est une crypto-monnaie à part pour vous ? Oui, ça reste une crypto-monnaie à part parce que c'est... C'est la crypto-monnaie étalon, plus ou moins, pour l'instant. C'est le dollar, comme l'été, et le reste quand même, le dollar par rapport aux monnaies dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est encore la monnaie de référence, c'est la plus solide, c'est celle qui a fait le plus ses preuves pour l'instant, parce que bon, bah, tant qu'elle n'aura pas sombré, entre guillemets, c'est celle qui est la plus fiable, tant qu'elle restera première. Donc on a vraiment une logique expérimentale hein, dans ce monde-là. Donc, et comme dans le monde de la cryptographie d'ailleurs, on préfère des algorithmes cryptographiques qui sont vieux et qui ne sont pas du tout modernes en termes de recherche scientifique, parce qu'au moins on sait qu'ils n'ont pas été cassés. Et plus ils n'ont pas été cassés longtemps, plus on sait que c'est solide. Mais Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, pour l'instant, c'est celui qui n'a pas été cassé le plus longtemps possible. Donc on considère que c'est plutôt solide. Et, pardon, il y a plein d'autres facteurs qui laissent à penser que Bitcoin a encore de beaux jours devant lui. Et en tout cas, je mettais ça parce que aussi, c'est aussi que je pense que c'est toujours intéressant de se replonger dans les origines de quelque chose. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par un tout petit historique de d'où ça vient. Et donc c'est toujours intéressant de... Enfin, pour moi, si... Toute la mouvance, entre guillemets, blockchain d'il y a les deux dernières années, c'était d'abord penché sur Bitcoin un peu plus profondément. On aurait fait beaucoup plus d'avancées actuellement parce que si on comprend bien Bitcoin, on comprend tout le reste. Parce que même Vitalik Buterin, quand il crée Ethereum, au début, Ethereum, c'est plus ou moins un fork d'amélioration de Bitcoin. C'est une proposition d'amélioration de Bitcoin. Tout part de Bitcoin, plus ou moins. Là, maintenant, on peut dire qu'il commence à y avoir des trucs vraiment émancipés de Bitcoin. Mais sinon, tout part plus ou moins de Bitcoin. Buterin, il fait vraiment son protocole par rapport au fait que Bitcoin existe et comme ça. Buterin avait créé le magazine Bitcoin Magazine. Donc c'est, tous ces gens-là viennent aussi de Bitcoin, tous ceux qui l'ont modifié. Et à chaque fois, ils se disent « Bon, mais là, ça ne me va pas trop dans Bitcoin, donc je vais faire ça. » Ou « J'aimerais améliorer Bitcoin dans ce sens-là. » Donc finalement, on a vraiment quand même une monnaie qui est encore la monnaie un peu génitrice de toutes les autres. Et donc, la comprendre et l'étudier... reste capital, et en plus, bon, tout le monde l'a plus en tête, donc c'est surtout pour ça. Et après, je pourrais même dire Bitcoin, les crypto-monnaies et les blockchains, entre guillemets, ou les tokens, enfin, on pourrait étendre. Mais c'est aussi parce qu'il y a une instabilité linguistique. Alors ça, bon, c'est plus mon sujet d'avant. Mais il y a vraiment une instabilité linguistique là, sur plein de termes actuellement qui sont crypto-monnaies, tokens, blockchain, etc., etc. Et donc, il vaut mieux en mettre deux. Comme ça, on est tranquille. Et puis, ça permet quand même de mettre Bitcoin en avant. Parce que, voilà, je trouve que c'est important de continuer de mettre Bitcoin en avant pour l'instant. Juste avant des discussions plutôt plus courtes, ouais. Sinon, le débat va pas. C'était juste aussi par rapport au smart contract. Si Bitcoin, ils ont l'intention de développer ou pas. Bah c'est la transaction et le premier des contrats autonomes. C'est juste que dans Bitcoin, on a limité leur utilisation. Finalement, les contrats, on ne peut pas faire tous les contrats qu'on veut. On peut en faire quelques-uns. On peut faire une transaction. On peut faire une transaction avec une condition de temps. On peut faire une transaction où on bloque des fonds. On peut faire une transaction à condition de remplissage. Voilà, il y a quelques scripts comme ça, à condition de déblocage à plusieurs, etc. Donc, Bitcoin ne compte pas implémenter directement une logique de smart contract à l'Ethereum. Mais va permettre de faire des smart contracts à l'extérieur de Bitcoin, avec notamment les Schnorr signatures, donc qui devraient être implémentées, elles, dans le protocole, qui sont un nouveau standard cryptographique qui permettra de faire des jeux en fait, de signatures à l'extérieur de Bitcoin, avec des révélations de signatures à l'intérieur de Bitcoin, qui permettront de faire des smart contracts aussi évolués, voire plus évolués qu'Ethereum, puisque c'est à l'extérieur, tout en ayant le côté trustless de Bitcoin pour la révélation du contrat. Et ça, c'est encore expérimental pour l'instant, et il faut que le consensus adopte le fait d'adopter Schnorr signature ou autre. Voilà. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a plein de gens qui réfléchissent, et ça risque d'arriver tôt ou tard. Merci Adeline. J'ai vécu ma question avant que je fasse une réponse, mais juste un point par rapport à la question de monsieur, il ne faut pas laisser dire quelque chose sur la consommation énergétique. Il ne faut pas laisser dire qu'une consommation Bitcoin consomme. La seule chose qui consomme dans Bitcoin, c'est la sécurisation du réseau.
La seule chose qui consomme, c'est cette volonté de Bitcoin de rester résistant à la censure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve une solution de décentralisation qui fait qu'on a un outil qui nous permet d'échanger de façon libre et résistante à la censure, on se passera de cette consommation énergétique. C'est pas la consommation en elle-même qui consomme, la transaction qui consomme, la transaction ne consomme rien. Ce qui consomme, c'est cette volonté de sécuriser le réseau. Et ça, c'est un point important. On ne peut pas vraiment laisser dire des discours comme une consommation en une transaction en Bitcoin consomme tant. Voilà. Ça, c'est le premier point, et vraiment, je voulais appuyer dessus. Deuxième chose, et ça, c'est une réflexion pour la vie. Voilà, donc maintenant, ça pose la question aussi que vous soulevez sur qu'est-ce qui est de créer une monnaie locale ou pas, etc. Quelle est la politique qu'on veut mettre derrière la monnaie? La monnaie, c'est une convention sociale, c'est une métrique pour échanger. Quelle est la politique qu'on veut mettre derrière et quels sont les gens qu'on veut mettre derrière? Par exemple, en Paris, une institution, un État derrière, ou est-ce qu'on se réapproprie ça? Et c'est vraiment ça qui est important. Et comment politiquement vous imaginez la monnaie? Et c'est bien la réponse que j'ai eue tout à l'heure, qui est, qu'est-ce que Bitcoin a ouvert comme boîte de Pandore, c'est-à-dire se réapproprier cette création monétaire, se réapproprier cet échange social qui est la monnaie, et comment on réfléchit là-dessus, et comment on pense au travers de ça. On va juste un petit peu, alors il est 4h30, on se permet, après avoir consulté 2-3 personnes, on se permet de déborder un petit peu pour laisser un peu de la place au débat. Voilà. Bon, après, là, c'était pas vraiment une question qui m'a intéressé. Merci. Merci. Juste une question, vous dites souvent, tout le monde pourra ceci, tout le monde pourra cela. Tout à fait correct, dans le sens qu'il y a quand même un seuil de compétence aujourd'hui en portant à utiliser toutes ces techniques et d'utiliser la monnaie, c'est de voir pas tout le monde aujourd'hui qui a accès. Il y a énormément d'éducation, je suis d'accord. Mais, et d'expérience utilisateur, ce que j'ai dit. Mais justement, ça pose, on n'est pas, je peux un peu provocation, si vous voulez, mais est-ce qu'on n'est pas simplement en train de remplacer une caste de financiers ou de juristes par une caste d'informaticiens qui aura beaucoup de temps? Je pense qu'on pourrait dire ça d'Internet. On pourrait dire ça d'Internet tel qu'il est devenu actuellement. À peu près, hein. Enfin, c'est plus ou moins le cas, même s'il y a plein de villages gaulois, c'est clair, il y a plein de villages gaulois qui résistent, tous les libristes qui résistent à droite à gauche, et malgré tout, c'est quand même Unix qui fait tourner un truc libre, ou Linux qui font tourner la majorité des machines. Donc, finalement, on s'en sort quand même un petit peu, même si c'est une autre élite de sachants qui a d'autres codes, d'accord, c'est pas des financiers, mais ils ont aussi d'autres codes, et ils ont parfois aussi des comportements sectaires dans un autre sens. Mais dans le cas de Bitcoin, c'est pour ça que je répète à chaque fois que un des trucs très importants, c'est l'expérience utilisateur, puisqu'on pourra y arriver que si c'est accessible à tous. Et plus il y aura de l'accessibilité, plus il y aura de la décentralisation. C'est un double facteur. Un enjeu d'appropriation bien sûr de toutes ces sphères par justement une grande partie de la population mondiale, qui est le cas. Après, l'avantage dans le cas de Bitcoin, c'est qu'on peut penser que par exemple, on a 4 milliards de non bancarisés dans le monde. Eux, ils ont tout intérêt à se débrouiller pour se bancariser. C'est-à-dire que c'est encore une fois une histoire de motivation et d'incentive. La motivation de s'émanciper monétairement est peut-être plus élevée pour une grande partie de la population que de s'émanciper dans le fait de cacher à une entreprise le fait que j'habite à tel ou tel endroit, etc. Même avant ça, il y a une question de computer literacy. On a besoin de nous avoir bien écrit, d'avoir accès. Après ça, c'est presque des éléments extrinsèques sur lesquels, pour le coup, j'ai une maîtrise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un devoir d'éducation. Il y a un devoir d'éducation ou il y a un devoir de push. Une solution est possible comme l'autre. On pourrait aussi avoir une solution où une très grande entreprise comme Facebook. J'y crois pas du tout pour Facebook, hein, mais une très grande entreprise comme Facebook dit, maintenant je push une techno qui va émanciper tout le monde.
Après ça, c'est, ça peut aussi se passer, on peut le penser bottom to top, mais on peut aussi penser top to bottom, les deux sont possibles. Mais c'est sûr que soit il y aura de l'éducation et ça viendra d'en bas, mais ça viendra pas tout seul, soit ça viendra d'en haut et ce sera pêché parce que motivation ou autre. Ou... Mais en tout cas, c'est une vraie question d'accessibilité. Ouais. Alors juste si vous appelez selon le consensus. Ce consensus, c'est-à-dire une autorégulation dans le système. Oui, mais enfin, après... indépendant des lois... Ah, je suis d'accord, mais bon, je vais prendre un exemple d'Anne Larimer qui a fait une ICO de 5 milliards autorégulée. Demain, la SEC veut aller l'emmerder jusque dans son lit, ils pourront le faire quand même. C'est, ça reste problématique, quoi. C'est... Quel est le rôle sur la régulation et quel est l'avenir que vous voyez Ben, le rôle de la régulation, ça serait de... Comment dire? Alors, bon, moi, on peut me voir, entre guillemets, comme un vilain tatiste parmi les bitcoiners. Et moi, je verrais bien un truc comme... déjà, une catégorisation selon l'usage, entre guillemets, du token. Qu'est-ce qui va être? Quelle va être l'essence du token derrière? Donc, soit juridique, soit technique. Hein, il n'y a pas 20 000 solutions pour moi. Soit c'est une security, soit c'est juste un protocole qui est indépendant. Donc, c'est, comme ça, c'est vite vu. Et après, le rôle de la régulation, c'est de dire... à la rigueur, ça serait de dire tel protocole a une valeur probante parce qu'il a telle particularité, telle particularité. Par exemple, on pourrait très bien dire on considère qu'au-dessus de 5000 nœuds à travers le réseau, un truc est plutôt fiable, un espèce de... Dans beaucoup de pays du monde, il y a des contrôles techniques ou du moins des ingénieurs qui vont dire... Bon, ben ça nous semble solide, cette bagnole, on peut la mettre sur le marché. Pourquoi on ne ferait pas des espèces de normes où on dirait qui permettront aux lois de dire « Bon, ben là, clairement, si lui, il a fait son tampon dans le protocole Bitcoin, c'est fiable. » Donc ça, c'est pour l'après-ICO, on va dire, dans la catégorisation du token. Et pour l'avant-ICO, c'est de dire « Bon, il n'y a pas trop ce problème en Suisse, mais il y en a dans pas mal d'autres pays du monde. » C'est de dire aux banques « Ouvrez des comptes, déjà. » Enfin, même si l'État ne peut pas trop le dire, le faire comme ça, mais trouver un moyen qui fasse que les gens puissent facilement faire des ICO, mais tout en gardant cette liberté et cette fluidité. Et enfin, il y a un gros enjeu pour moi, c'est sur les plateformes d'échange, c'est de réussir à continuer entre guillemets, spéculation après ICO. Parce que c'est ça aussi qui fait vivre ce marché. Et s'il y a plein de gens qui lèvent de l'argent via des tokens, mais qu'après les tokens ne circulent plus, il n'y a plus aucun intérêt. Donc finalement, il y a la régulation sur la nature du token, sur l'exécution de l'ICO, et sur la suite et l'échange du token. Et les trois doivent permettre une certaine flexibilité. Pensez encore une fois à un nouveau paradigme, mais pas essayer de calquer nécessairement avec des lois existantes. Ça veut dire que ces investisseurs-là sont peut-être des nouveaux investisseurs. Il y a peut-être une nouvelle réflexion investisseur. Par exemple, alors c'est peut-être fou, mais pour moi, c'est des réseaux qui sont responsabilisants et auto-souverains. Donc pourquoi les lois ne seraient pas symétriques aux lois finalement intrinsèques de ces réseaux-là? C'est-à-dire que sur ces réseaux-là, je suis censé être responsable de ce que je fais et souverain. Donc si je perds mon pognon parce que je n'ai pas stocké ma clé, si je perds mon pognon parce que je fais un investissement absurde, si je perds mon pognon pour telle ou telle raison, ben, entre guillemets, tant pis pour moi, quoi. Enfin, c'est bien de protéger l'investisseur, mais à un moment, l'apprentissage paradoxal, on sait depuis longtemps que ça marche bien chez l'humain, quoi. Avant de se brûler, on ne sait pas que ça brûle. On ne sait pas. Donc c'est peut-être un peu dur, mais je pense qu'on peut très bien condamner les arnaqueurs tout en ne protégeant pas les investisseurs à outrance et en interdisant, en devant remplir des formulaires comme ça pour pouvoir investir. Enfin, en France, par exemple, pour être investisseur qualifié, il faut avoir plus d'1 million d'euros ou faire un questionnaire. Ce qui est déjà absurde comme équivalence. Hein. 1 million d'euros, vous pouvez investir. Il y a un enjeu qui est important là-dessus aussi du côté de l'investisseur. Mais voilà un peu les pistes. Là, c'est un brouillon hein, comme ça, mais... Dans cette idée-là, en tout cas, de laisser toujours autant de flexibilité tout en harmonisant et en sécurisant les entrepreneurs et les investisseurs.
juste que je voie, combien reste-t-il de cartes? Je sais qu'il y en a certainement plus. Donc une, deux, trois, quatre. Alors je propose de prendre une question là, ensuite on prendra les trois en groupe. Et puis on s'arrêtera là, enfin on continuera l'apéritif. Donc il n'est pas annoncé sur le flyer, mais il y a un apéritif qui se prolonge aussi à souhait. Ensuite, à la fin de cette conférence, on pourra continuer la discussion. Poser une petite question, Olivier Cramoisier. J'ai une question, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour s'y mettre? D'accord. Alors, je prends un exemple tout simple. Il y a une incitation extrêmement importante aujourd'hui à effectuer des paiements internationaux, hein, de personne à personne, de personne à entreprise, parce que ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et ma question, elle est toute simple, c'est quelles sont les conditions aujourd'hui qui feraient que ça devienne possible et que ça devienne facile d'effectuer des paiements internationaux en Bitcoin. L'expérience utilisateur. Demain, vous avez une application qui est placardée en 8 sur 10 partout dans les rues et qui dit « envoyer de l'argent international à 10 centimes », avec une application qui marche extrêmement bien où en 3 clics vous l'avez fait, bah vous le ferez. C'est aussi simple que ça. La guerre, elle est plus technique. Hein. Avec Bitcoin, on sait faire. La guerre, c'est une guerre de com et d'expérience utilisateur. Et le problème, c'est que dans Bitcoin, il n'y a pas de chef. Donc, il n'y a pas d'organisme de communication officielle. Il n'y a pas vraiment... Il y a une fondation, mais qui a fait un peu un four et qui s'est arrêtée plus ou moins. Mais ce qui vous fera utiliser Bitcoin, c'est que vous aurez un panneau 8x10 vous disant « utilisez Bitcoin ». Et derrière, une facilité pour l'utiliser. Ou plein de gens comme ça, comme moi, qui petit à petit disent « allez voir, expérimenter, etc. etc. » Ou des initiatives étatiques qui diront « bon, maintenant vous utilisez Bitcoin comme un État autoritaire pourrait dire « vous utilisez ma monnaie demain ». Enfin, je veux dire, en plus, ce qui est rigolo, c'est que pour une fois, on a une monnaie du consentement, quoi. On a un système du consentement, donc c'est encore plus dur. On est tellement habitué à être maltraité monétairement et n'avoir aucun consentement monétaire que c'est dur de, pour la première fois, profiter du consentement, quoi. Alors, la question là-bas, je la répéterai au micro, je vais me la prendre sans micro. Oui, monsieur ? Alors du coup, je recommence par le début. Qu'est-ce que j'en pense de la France qui patoche dans la semoule et la Suisse qui a l'air d'aller bien mieux par rapport à nous? Je dirais que
comme j'avais dit une fois ailleurs, c'est presque un problème de divan qu'on a en France, quoi. C'est un truc psychanalytique, on n'arrive pas à se dire l'argent, c'est pas trop tabou, on peut en discuter. Le banquier de papa, c'est pas grave, je peux aller voir un autre banquier, mon agence peut disparaître, c'est pas trop grave non plus. On a beaucoup de grosses réticences qui sont idéologiques, mais presque des racines, comme seraient des racines judéo-chrétiennes, on aurait nos racines monétaires à être là, à avoir vraiment du mal à parler d'argent, aimer les choses régaliennes tout en étant révolutionnaire, enfin le paradoxe français, quoi, mais c'est ça qui est beau. Et donc, on essaie avec le cercle notamment d'insuffler de nouvelles idées, etc. Alors pour moi, déjà, l'AMF part dans le mauvais sens parce qu'ils sont pro-utilities. Enfin, ils veulent mettre en avant les utilities, alors que le vrai cadre qui fera changer les choses, pour moi, c'est les securities, c'est pas les utilities. Les utilities, c'est un peu une mascarade qui durera quelques temps, le temps que deux gros segments apparaissent entre les securities classiques et les hors-champs classiques, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, et vraiment les protocoles libres et décentralisés. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne part pas trop dans la bonne direction. L'ACPR, Banque de France, ils essaient quand même, j'ai l'impression, ils ont plutôt bonne volonté. Eux, ils seraient plutôt pour que les comptes en banque ouvrent, mais ils ne le font pas. L'ACPR, à chaque fois qu'ils les rencontrent, ils disent « Nous, ça nous embête aussi un peu, les histoires d'identité, trop dures, tout ça. » Après, je ne sais pas le niveau d'hypocrisie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une idée que de... Il y a quand même une volonté, je dirais qu'il y a plutôt une bonne volonté, mais une exécution plutôt chaotique, avec peut-être pas assez d'ingénieurs à la barre, pas assez de gens qualifiés à la barre, et vraiment, voilà, cet aspect un peu idéologique qui est gênant et qui fait vraiment barrière par rapport à d'autres pays. Surtout que le plus dommage, je dirais, en France, c'est qu'en termes de compétences, on peut pas être plus dans le mille. On a des ingénieurs bons, on a vraiment toute une tradition cryptographique assez forte, une tradition mathématique forte. On a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français. Ledger, finalement, c'est français. Bitfinex a été créé par un français. Bon, ça, c'est une autre histoire. MTGox a quand même été repris par un français quand c'était à son apogée. Il y a vraiment beaucoup de français expats qui exercent dans ce business. Et donc, c'est dommage. Je pense qu'on pourra y arriver qu'en poussant, ou en partant, en faisant une pression inverse, en fait. En faisant une pression inverse, en demandant de rentrer le plus vite possible. Je répondrai aux autres très rapidement. Voilà, alors, donc, il y avait la question de la transparence. Alors, sur la transparence... La personne de contact, ouais. Sur la transparence, Bitcoin est tout à fait transparent. Il est pseudonyme. Il est absolument transparent. On voit tout ce qui se passe sur le registre. On ne peut pas faire plus transparent Bitcoin. Enfin, en tout cas, en termes financiers, je ne connais pas grand-chose de plus transparent que Bitcoin. C'est-à-dire que je ne vois pas tout ce qui se passe dans l'espace monétaire euro H24. Je ne vois pas tout ce qui se passe dans ma banque. Je ne sais même pas si elle est solvable parfois. À la rigueur, j'ai quand même beaucoup plus de vision et de transparence sur Bitcoin. Alors après, en termes de personnes de contact, c'est tout le propre de ne pas avoir de personnes de contact, justement, parce que c'est ce qui fait la force de ces réseaux-là. Si on a un contact, on détruit l'aspect no middleman et vraiment décentralisé. C'est ça la force de ces réseaux. Donc on n'a pas de point de contact, mais finalement on en a des milliers. Est-ce que c'est pas mieux d'en avoir des milliers? Alors je suis d'accord que pour moi le charisme il restera vertical et pourra jamais devenir horizontal. Ça veut dire que c'est difficile de partager finalement le fait de réussir à capter de l'attention ou à transmettre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir lui peut être horizontal. Et donc finalement, le pouvoir est horizontal dans ces systèmes-là. Donc on n'a pas de point de contact à proprement dit, mais on a plein de points de contact. Et en plus, ils sont beaucoup plus accessibles, des personnes de très haute volée qui vont être beaucoup plus accessibles qu'habituellement. Vous pouvez quand même parler avec des gens qui ont quasiment cofondé le web. Il suffit de vous rendre à des conférences Bitcoin ou autre. Il y a vraiment une véritable démocratie à l'échelle globale qui est assez intéressante, soit sur les forums, soit au meet-up, etc. etc. On est vraiment sur une horizontalité assez forte. Donc j'aurais tendance à dire non, pour l'instant, ce n'est pas du tout les AI qui gouvernent ce monde-là. C'est plein de gens tout autour du monde qui s'organisent entre eux
pour former une émergence monétaire qui est soit Bitcoin, soit autre chose, mais en tout cas, il n'y a pas de point de contact, il y en a des milliers, donc tant mieux. C'est encore moins dépendant. Alors après, il y avait la question de combien de monnaie. Alors, combien de monnaie, bon, si on parle de... Enfin, encore une fois, là, tout dépend de la dichotomie qu'on fait, mais si on dit protocole, je crois que des protocoles, il y en a quand même 800 et quelques, entre 800 et 1500. Dans le lot, il doit y en avoir pas mal qui sont morts ou qui ont très très peu de volume ou d'existence. Si on prend juste les tokens, il doit y en avoir 5000 et quelques, je pense, quelque chose comme ça actuellement, enfin, ou même plus, différents. Mais enfin, voilà pour les ordres de grandeur, je ne peux pas vous donner un chiffre précis comme ça. Et pour Tezos, alors, pour Tezos, qu'est-ce qu'ils ont essayé de résoudre? En gros, il y a deux monnaies un peu comme ça actuellement, c'est Cardano et Tezos, qui sont dans une logique de... blockchain de troisième génération, entre guillemets, on dit, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle idée, de dire, il y a des problèmes qu'on essaie de résoudre par rapport à Ethereum. Ethereum, bon, ben, on sait que la scalabilité, finalement, il va quand même y avoir des problèmes. On sait que le fait d'avoir, de pouvoir permettre à n'importe qui d'écrire n'importe quoi en totalité, ça pose aussi des problèmes. Et le langage de programmation utilisé pose problème. Donc, il y a... Et aussi, la gouvernance d'Ethereum pose un peu problème, et les forks ont posé problème. Donc finalement, ils essaient de s'inspirer des 5-8 ans qu'on a connus, pour se dire, on va essayer de résoudre ces problèmes. Et donc, je vais dire sur le Tezos, parce que je connais mieux le point de vue de Tezos, c'est de dire, on va faire en sorte que les évolutions protocolaires elles soient décidées par chacun un peu plus de manière un peu plus automatisée et un peu plus participante. Pour qu'il n'y ait pas de fork, enfin, ou qu'il y en ait le moins possible. Donc il y a une espèce de démocratie constante dans les choix des améliorations du protocole, à voir si ça marchera ou pas en live. Une deuxième chose, c'est d'utiliser le langage formel pour les contrats. Alors ça, c'est capital, parce que c'est une autre grosse révolution industrielle dans le domaine de l'informatique, parce qu'on va passer de... Enfin, depuis des années, depuis très très longtemps, nos ponts ne tombent pas. Comment ça se fait que quand on clique sur le bouton démarrer de notre ordinateur, on a toujours une petite frayeur? C'est quand même dingue de marcher sur des ponts sans aucun problème, mais d'avoir toujours une petite frayeur d'avoir un bug. Et bien, le monde de l'informatique est en train plus ou moins de potentiellement se transformer avec le langage formel, en ayant des algorithmes qui soient déterministes, du code qui soit déterministe, et donc dont on est sûr de la bonne exécution. Et ça, c'est aussi une des particularités de Tezos, qui va utiliser ça pour ses contrats autonomes et pour son code. Et après, ils ont un algorithme de proof of stake, enfin un autre algorithme de consensus, bon, qui serait long à détailler ici, qui est inspiré d'un papier de Mikali, qui est un espèce de médaille field de l'informatique, on va dire, le pre-Turing, sur une méthode aléatoire et probabilistique pour choisir... Parmi un ensemble de personnes, quelles personnes vont valider le consensus au fur et à mesure, tout en gardant un équilibre entre les pairs et une décentralisation satisfaisante. Donc voilà à peu près les innovations de Tezos. Donc très très scientifique, c'est peut-être un peu cette nouvelle génération de chaînes qui vont être entretenues par des chercheurs directement par peer review quasiment dans les universités, là où les chaînes actuellement sont plus améliorés par tout un tas de chercheurs ou de développeurs indépendants tout autour du monde. Mais il y a aussi des gens de renom dans Bitcoin, hein, mais peut-être vraiment plus inscrits dans la recherche. Il y aura des gens qui seront dédiés à se gratter la tête sur les protocoles, et d'autres gens sur les usages, et d'autres... Enfin, voilà, il y a en tout cas une nouvelle génération de chaînes qui change un peu comme ça. Et il y en a aussi d'autres autres que Tezos, hein. Il y a... il y a iOS, il y en a d'autres dans le style de blockchain avec qui essaient de changer de paradigme un peu là dernièrement. Mais de toute façon, comme je disais, on ne sait pas quels seront les supports de demain, on ne sait pas quelles seront les applications de demain. Donc on est en expérimentation, en exploration constante, mais c'est ça qui est beau aussi. Merci à vous. Donc, quelques derniers pour vous. Une synthèse de tout ce qui est dit. Par contre, il nous a tendu une perche, je pense autant à la société.
société neuchâteloise aux entrepreneurs ou politiques, c'est de commencer par des expérimentations. On y est peu revenu. La question, ce sera de savoir par quel genre d'expérimentation. Parce que comme tu l'as dit, hein, le futur n'est pas fait, on ne sait pas où c'est qu'on va, il n'est pas déterminé par ces technologies qui sont loin d'être déterminées. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Peut-être que Neuchâtel peut être pionnière sur une ou deux expériences, alors peut-être restons en contact pour aider les co-développer ensemble. Voilà. Donc pour te remercier, on s'était dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être très symbolique? On ne va pas t'offrir un livre sur les cryptos, hein, apparemment, parce que voilà. Alors on s'est dit, bon, ben, peut-être quelque chose que tu connais moins, c'est l'horlogerie suisse. Ah, superbe. Qui a toute son histoire et qu'on aimerait bien que tu écrives le prochain chapitre. Ah. C'est un long jour et puis les 20 prochaines années. C'est marrant d'ailleurs, Bitcoin c'est aussi un nouveau temps. Le bloc est un temps universel, nouveau, qui n'est pas référencé sur le temps. On a la chance avec l'horlogerie suisse, c'est qu'on est toujours sur le temps, donc je ne suis pas avec ça. Ça c'est notre recette aussi locale. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de fiction là-derrière, donc il y a aussi un petit peu du noir, comme ça, donc un petit roman policier local aussi, et puis pour faire passer le tout à la Baudelaire, pour écrire le dernier chapitre, un petit peu d'absence. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vais laisser la parole à Jonathan Akash, et après je vous remercie. Merci. Merci, c'est avec grand plaisir que je suis là. On m'a dit informel, donc je ne fais pas des longues salutations officielles et je ne vais pas non plus faire un discours très construit ou très structuré, mais j'ai envie de partager des sentiments avec vous. Il y a des chaudefonniers ici. Il y a quelqu'un qui connaît la chaudefonde? Qui c'est qui connaît la chaudefonde? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Donc à la chaudefonde, on sait ce que ça veut dire de passer le triangle. Passer le triangle, c'est quand il a neigé toute la nuit et que c'est pas possible d'utiliser la route avant que le premier ait tracé le chemin. Et puis ça, c'est un peu ce que vous avez fait dans le canton de Neuchâtel avec BT. Il a fallu repousser certaines barrières mentales, il a fallu rendre possible des choses qui n'étaient pas encore, ouvrir les esprits, et on l'a fait, je crois, ensemble. Et moi, je suis vraiment heureux et assez épaté du chemin que vous avez réussi à parcourir et qu'on a accompagné avec vous pendant les quelques dernières années. Ça fait à peu près 4 ans pour ma part que je suis cette aventure. Et franchement, on a fait beaucoup d'avances. Hein. Vous avez fait une avance magnifique avec la société, mais je pense que dans la vision qu'on a à Neuchâtel du monde des crypto-monnaies et de la volonté qui apparaît petit à petit de créer un environnement qui rende possible le développement de ce secteur, eh ben je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Alors une chose qui est un peu triste, c'est que c'est pas comme ça partout. Et puis moi, évidemment, je vois le bon côté de ça, c'est que je me dis, il va y avoir peut-être encore d'autres acteurs que vous. D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous avez de la place encore ici et une ouverture à collaborer éventuellement à l'accueil d'autres sociétés, pourquoi pas. On sait que c'est un écosystème qui est très interdépendant, très dynamique. Et en tout cas, sachez que ben voilà, les sociétés qui innovent dans ce domaine-là, elles seront toujours les bienvenues à Neuchâtel et qu'on répondra présent pour les accueillir et développer cet écosystème. On va profiter du fait que tout le monde n'ait pas encore compris qu'on est ici en train de construire l'avenir pour pouvoir se positionner de la meilleure des manières pour construire demain. Ça fait aussi écho et puis... Je pense que vous n'êtes pas forcément sans le savoir, en tout cas pour les Neuchâtelois parmi vous, à un positionnement historiquement pionnier du canton. Dans les trois derniers siècles, on a régulièrement ici inventé des trucs qui n'existaient pas encore. Créé des idées que personne n'avait encore jamais eues. Et exploré des territoires qui étaient encore jusque-là inconnus, que ce soit dans l'infiniment petit, dans l'infiniment précis, dans l'infiniment lointain aussi. Et c'est quelque part quelque chose qui nous rend très fiers, quelque chose qui a fait notre histoire. On est un canton révolutionnaire. En 1848, toute l'Europe a vécu des révolutions. Il y en a une seule qui est encore debout, qui n'a jamais chuté depuis, c'est la révolution neuchâteloise. Il y a eu 60 révolutions en Europe. 59 ont rendu les armes et Neuchâtel est toujours debout. C'était il y a 170 ans.
Et il faut qu'on apprenne à cultiver, à continuer à cultiver cette histoire révolutionnaire et donc à oser penser autrement. Donc merci de nous aider à le faire. Plein succès à Biti. On vous souhaite vraiment tout le meilleur. Excellente soirée. Merci beaucoup. So, just for you to know, the state had a very good impact for the economy here. L'État de Neuchâtel a vraiment beaucoup travaillé et a eu beaucoup d'impact. Donc, merci pour tout ce que vous et vos équipes, avec Nicolas, qui est là, et Monsieur Blockchain, sur le canton de Neuchâtel. Merci. Et puis, on a aussi Monsieur Blockchain du canton de Genève, qui est dans les parages, Vincent Pignon. Je vais juste faire, voilà, maintenant on est ici pour célébrer, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire.